Hello, hello! Voilà. Bouh, honteux Voilà. la Belgique, bouh, bouh, bouh la Belgique, bouh, bouh, voleur. C'est ça, c'est honteux, bouh. V'là le faux Canadien qui s'indigne. C'est ça. Tabarnak, c'est honteux. Pouf. Oui, et puis même dans tous les cas, la Belgique va se qualifier donc. Ah, attention. Attention, attention, attention. Pardon. Scalperivopède nous dit qu'il y a un problème de son. J'ai pas de retour en fait. Là, j'ai. En fait, on nous entend, nous. Moi, je m'entends en retour. Mais on ne t'entend pas d'Apidu. Attendez, je suis en train de regarder. Mais Bah non, mais il n'y a pas de justement, problème, tout va tout bien. va Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Bon, on va tout recommencer depuis le début, ça va? Attendez, attendez, attendez. On remet bien. l'écran d'attente, attendez. Et bonsoir à tous, tout va bien, regardez, il y a du son, c'est magnifique, et bienvenue pour cette nouvelle émission de HT Actu sur Twitch. On va essayer de refaire exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc déjà, bah, ça fait plaisir d'être avec vous. Et alors, Alpa, malheureusement, n'est pas avec nous ce soir, c'est super dur de devoir se répéter. Mais vous savez, en fait, une petite confidence, tout est écrit en avance, hein, tout est scripté, enfin je veux dire, il n'y a aucune improvisation. Donc là, je vais simplement, Darcel aussi, Z, vous êtes d'accord, on va reprendre Oui, notre texte qu'on a moi ça écrit. va bien, les gars. Très très bien. Ah Ah merde, non, là, t'as putain, j'ai coupé dit la ma ligne, réplique trop attends, tôt. t'as sauté une ligne, attends. J'ai dit ma réplique trop tôt, ouais. Bon, salut. Et du coup, on peut dire le résultat des matchs à l'avance? Ouais, c'est C'est ça, on a écrit à tout. l'avance, ça On a aussi. tout, quoi. Non, en Ok, bah fait. écoutez, bah, merci beaucoup pour cette émission. Bon, on va passer quand même au quiz et puis on va terminer maintenant, c'est la fin. Allez, bonne soirée à tous, c'était cool en tout Même cas. Non. le quiz, il est écrit à l'avance, hein. On sait que c'est Belette qui va gagner, et voilà quoi. Voilà, donc, bienvenue dans l'émission bordélique. Alors. C'est la classique, c'est bien évidemment mon micro qui ne fonctionne pas. Alors ça, on la connaît, hein, celle-là, ça devient une classique, on va dire. C'est toujours quand il y a des mises à jour Windows. Et il faut savoir que des mises à jour Windows, il y en a des tonnes et des tonnes. Ce qui fait que là, dans les 3 semaines qu'il y a eu entre, bah, il y a 3 semaines et aujourd'hui, il y a eu des mises à jour et donc on n'a pas vérifié le micro. Et donc merci beaucoup à Scalper Hippopette, parce que les autres personnes dorment en fait. Il n'y a que Scalper Hippopette qui nous écoute, ça fait plaisir en tout cas. Ça n'a pas choqué les autres gens. Mais donc pour revenir à notre sujet, on disait que la Belgique avait super bien joué face au Canada, c'était ça, Darcel. C'est ça, C'était ça, très beau match de la exactement, un très Belgique, beau match, voilà. bien arbitré et tout, ça fait plaisir. L'arbitre aussi, parlons-en, c'était très bien. Donc, non, voilà, Darcel avait Moi, raison. je citerai quand même cette réplique que j'ai retrouvée de Raymond Domenech. On peut dire un truc sur les Belges, c'est qu'ils ont appris. Avant, ils jouaient bien et perdaient. Maintenant, ils jouent mal et arrivent à gagner. Ils ont compris qu'en étant mauvais, on pouvait gagner un match en jouant le contre. C'est Ça vrai. résume pas mal la situation, il faut le dire. Ah Il a là, c'est raison. ouais, mais là c'est même pas qu'ils ont joué le contre. Enfin ouais, c'est vraiment qu'ils ont contre-joué. Je ne sais pas comment dire en fait. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, est-ce que bah, bon, je vais reposer la question, mais bon, de toute façon, on vous a entendu. Mais est-ce que Z et Darcel, est-ce que vous allez bien pour la reprise? Ça va, Oui. tranquille, hein, une petite Oui. reprise. Content d'être de retour, Tranquille, j'imagine. oui. Ah oui, de retrouver le chat qui pour l'instant n'est pas très nombreux, mais ça va arriver, j'en suis sûr. Et je voulais aussi en profiter, tant qu'on était dans les remerciements, pour remercier cette kill qui est passée Tout à fait. juste pour souscrire. Ouais, voilà, pour souscrire. Et qui nous écoutera sans doute en replay. Salut à toi, cette kill, et Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci Setkill pour l'abonnement. Et un petit bonjour à Scalpier Popette, à Nina,
à Andy aussi qui est là. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit coucou hein, sur le chat en tout cas. Comme ça, on sait que vous êtes présents. Mais c'est vrai que c'est le début de l'émission, c'est la reprise, il faut que les gens reviennent petit à petit. Mais on ne s'en fait pas. Et merci beaucoup à Darcel aussi pour son Prime, bien évidemment, pour l'abonnement. Et donc voilà, donc nous voilà de retour. On va refaire un petit retour tranquillement. On va suivre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les matchs qu'on va suivre ce soir, mais on a décidé de faire plaisir à quasiment toute la communauté francophone. On va suivre la totale, parce que ce soir, il n'y a que la Coupe du Monde A, pardon, la Coupe du Monde A, la T1J7, donc la septième journée du premier tour. Et on s'est dit, comme il n'y a pas les U21, bah, on va suivre. Là, je pense que c'est toutes les équipes où il y a vraiment un staff francophone bien présent. Donc voilà, de manière générale. Donc, bien sûr, Tanzanie-France. Sénégal-Irlande, Côte d'Ivoire-Finlande, Maroc-Autriche et Liban. Alors j'ai toujours un doute, Liban contre. Si quelqu'un peut m'aider vite fait, ok, merci. Albanie, 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 merci, ok. Albanie. Liban-Albanie. D'ailleurs, attention, est-ce que Liban-Albanie, est-ce que c'est pas un. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Non, pas du tout. Si on mélange les lettres de Liban, ça ne fait pas Albanie, il manque des lettres. Donc voilà, rien à voir. Et Bien essayé. ouais, c'est ça. Non, mais franchement, il y avait moyen. Liban, Albanie, tu vois, mais il manque un E, je pense. Et franchement, il manque pas Et, grand-chose. Albanie, comme ça s'écrit dans la langue origine, ça ressemble à Shakira. Mais bon, pardon. C'est ça. Et un anagramme, merci beaucoup, Andy. Ouais. Fin de semaine, grosse fatigue. Donc là, les mots vont manquer. Mais un bonsoir à Deuxi aussi, qui dit une première pour moi. Bienvenue, Deuxi. N'hésite pas à nous dire quel est ton pseudo dans la tri, quel est ton club, si t'es en Belgique, en France, en Suisse, au Maroc, n'importe où, tu nous dis. Et comme ça, normalement, il y a la. Il faut savoir que normalement, il y a un garde qui est là, c'est Galwayan, hein, qui normalement demande l'identité complète, en tout cas, de chaque personne, mais il n'est pas là tout de suite, à mon avis. Et bonsoir aussi à Petit Bac. Tout à fait. Et bonsoir aussi à Petit Bac, effectivement. Et donc voilà, et on va parler donc des matchs. On a beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, hein, je pense, sur Atric, hein, comme vous avez pu le voir, dans différents domaines. On va un peu en parler avec vous, on va voir un peu ce que vous en pensez également. Est-ce qu'on parle d'abord des matchs ou est-ce qu'on parle d'abord des actualités? Bah, les matchs ont commencé, donc Les parlons des matchs. matchs, ouais. Bonne On idée. en a peut-être oublié un. Il y a le Bénin qui joue dans le même groupe que la France. Ah, on peut suivre aussi le Bénin, effectivement. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup Voilà. de. C'est On dans va le même groupe l'ajouter. de que la France, donc ça va être intéressant On à va le suivre. rajouter tout de suite. Bien vu. Hop, on va mettre le Bénin. Donc, comme ça, on va. Donc, contre la Malaisie, c'est ça. Hein, c'est bien ça, ouais. Oui. Et voilà. Ajouter dans les matchs à suivre. Alors, bonsoir Deuxi. Bienvenue à l'anagramme. J'aurai une petite annonce à faire dans l'émission. J'aurai une petite annonce à faire dans l'émission quand on fera l'actualité de la semaine. Ok, Scalpel Popette, bon, on attendra ta petite annonce. Il n'y a pas de souci. Deuxi du Ils vendent une Clio Yémen. 3, bon état, Ouais, c'est ça. 120 000 km. Et alors Andy qui rate son pénalty malheureusement. Quel dommage. Donc voilà, donc par rapport au match, je pense qu'on va d'abord commencer quand même par la France, qui joue face à la Tanzanie à l'extérieur. On va afficher les matchs à l'écran. Alors attendez, qu'est-ce que ça donne? On va regarder un peu tout Vous me ça. rappellerez la prédiction qu'on avait décidée, je ne sais plus. Je ne sais même pas si on la décide en fait. On n'a pas encore décidé de prédiction, effectivement. Ça, il va falloir qu'on regarde ça aussi ensemble. Donc la prédiction, vous pouvez voter en fait pour une prédiction, donc un vainqueur d'un match potentiellement. Je pense, alors comme prédiction, bah, on peut quand même faire la France face à la Tanzanie. J'imagine que ce serait la prédiction la plus logique. Et donc en gros, vous Oui, puis en pouvez. plus, la CA, ça met un peu d'aléatoire dans le match, donc ça peut être sympa à prédire. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'une prédiction pour Deuxi qui vient de nous rejoindre, notamment? Alors, malheureusement, Deuxi, tu pourras peut-être pas vraiment participer parce qu'il faut des points de chaîne. Et en fait, les points de Je chaîne. pense que tu as... Oui? Je pense que tu as quelques points de chaîne, ou au pire, si tu nous follow directement, tu auras quelques points de chaîne aussi. Oui, c'est Petite vrai. astuce, c'est pas pour avoir des follow, quoique. Deuxi nous suit depuis 11 Ah, bah minutes. voilà. Donc, Ouais, voilà. donc il doit avoir déjà quelques points de chaîne. Donc, en gros, pour expliquer, juste en suivant et en participant à l'émission, on gagne des points de chaîne en fait sur Twitch. Et avec les points de chaîne, on peut faire des prédictions, des paris, etc. Et voilà, on peut miser les points de chaîne pour en perdre ou pour en gagner. Et après, avec ces points de chaîne, on peut tirer des pénalties dans notre émission. Voilà, il y a d'autres choses sur d'autres chaînes, bien évidemment. Nous, on tire des pénalties, donc c'est en bas à gauche. Hein, normalement, en bas à gauche du chat, tu as une petite option pour faire différentes choses avec les points de chaîne. On va commencer donc par Tanzanie-France avec donc la prédiction Lancé. qui est lancée. Donc vous pouvez voir en haut du chat, hein, normalement, qui va gagner ce soir, la France, la Tanzanie ou match nul. Et donc voilà, c'est à vous de parier. Et donc Tanzanie-France, ça donne quoi au niveau du match?
Donc Vercel, tu disais une Une belle contre-attaque. contre-attaque française. Une belle contre-attaque française avec une très haute défense, un beau niveau de tactique et surtout trois fronts d'attaque impressionnants. Donc l'équipe de France pique, c'est assez évident. Et il y a de fortes chances qu'ils ramènent les 3 points. Mais la contre-attaque, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, un peu aléatoire. Donc on verra comment ça va se passer. Ok, donc à suivre effectivement, mais effectivement une belle contre-attaque. Ouais. On voit quand même les fronts d'attaque français sont assez hauts. Donc sympa à suivre en tout cas. Ensuite, on va aller du côté du Sénégal, de Djabout, qui est aussi un suiveur en tout cas de l'émission. Et donc, ce n'est pas France-Tanzanie comme on peut le lire dans le prono, mais Tanzanie-France. Ah oui, bien vu petit bac, bien vu. Effectivement. Donc faites juste attention, donc effectivement c'est Tanzanie-France. Je crois qu'on ne peut plus éditer maintenant, donc on va laisser ça. Mais oui, c'est bien. En gros, qui va gagner dans ce match entre la France et la Tanzanie? Ensuite, on a donc Sénégal-Irlande. Donc le Sénégal est en 3-5-2 face à l'Irlande qui est en 3-5-2 aussi. Et au niveau des notes, Ouais. c'est un match. Tu en penses Assez quoi? équilibré, mais un bel avantage quand même pour l'Irlande, sachant que c'est un match très très important parce que ça se bat entre le quatrième et le cinquième, sachant que c'est les 4 premiers qui sont qualifiés. C'est un gros gros match pour nos amis sénégalais, donc ça va être compliqué, mais on espère qu'ils vont gagner. Effectivement, tout à fait. Donc à suivre aussi, et on espère effectivement que le Sénégal s'en sorte, en tout cas le Sénégal qui joue à domicile. Et comme tu dis, c'est vrai, on peut le voir ici en bas à droite, que ça se bat ici au niveau du classement. Tout à fait. L'Irlande qui est quatrième, le Sénégal qui a un point, qui est derrière cinquième. Donc oui, c'est assez tendu en tout cas à ce niveau-là. Ensuite, on va du côté de la Côte d'Ivoire. Alors il y a beaucoup d'éléphants, hein. Je ne sais pas s'ils sont là dans le chat, mais à mon avis, ils vont pas tarder à arriver. Mais les éléphants qui se... Oui. Ouais, c'est ça, qui accueille la Finlande. Et Ouais, avec une belle compo de la part de la Côte d'Ivoire, un gros milieu de terrain et des fronts d'attaque intéressants à gauche et au centre. Et du côté de la Finlande, il y a une belle attaque sur la gauche. Donc un petit avantage à la Côte d'Ivoire, mais ça va pas être simple. on a Pin en Côte d'Ivoire, nous dit Petit Bac, qui a les informations bien évidemment de ce qui se passe là-bas. Donc Oui, c'est compréhensible parce qu'ils sont dans une situation un petit peu délicate, ils sont derniers de leur poule et ils doivent un peu gagner pour rester dans la course. exactement, alors qu'on est déjà à la 7e journée, il y en a 10 au total, donc là il faut emmagasiner des points, hein, effectivement. Ok, donc c'est un pin de la Côte d'Ivoire. Bonne Ah chance, on oui. espère que la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Petit bac qui fait remarquer qu'effectivement ce n'est pas France-Tanzanie mais Tanzanie-France, désolé. Tout à fait, c'est ça. J'ai repris un intitulé de pronostic passé où ça commençait par France. Je n'ai pas édité, désolé. Et pour l'instant, il n'y a que des pronostics sur la France, hein. Donc n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de points sur la Tanzanie, comme ça vous pouvez rafler le pactole si vous gagnez votre pronostic, c'est le petit conseil. Ensuite, prochain match, ça sera Maroc-Autriche. Alors, qu'est-ce que ça donne? Attends, il y a un souci. Ah non, pas du tout, il n'y a pas de souci. C'est un Je n'ai pas 3-4-3. ajouté Maroc-Autriche. Mais en tout cas, c'est le Maroc qui est en 3-4-3 et l'Autriche qui est en 4-4-2. Au niveau des compositions et au niveau des notes, donc c'est une contre-attaque pour l'Autriche, hein, on va vérifier, mais oui, bien sûr, c'est une contre-attaque. Et l'Autriche qui a des bonnes notes offensives, en tout cas sur les ailes. Je ne sais pas si tu vois le match d'Arcel. C'est bon, je l'ai ajouté. Et d'autant que le Maroc est premier de son groupe. Donc c'est un peu le match à gérer pour garder son avantage. Mais l'Autriche a sorti une belle contre-attaque, hein, quand même. Effectivement. Un haut niveau tactique. 18, une belle défense et 2 belles ailes. Donc ça va pas être simple pour le Maroc. Effectivement, mais comme tu disais, le Maroc est quand même en bonne posture, donc tout va bien, 14 points, ils sont bien au classement, donc ça va pour eux. Ensuite, on va passer au Liban de Vahala. Et donc le Liban de Vahala face à, on l'a dit, hein, bien évidemment, face à L'Albanie. l'Albanie, c'est ça. Ah, le Oui, Liban avec une belle offensif. contre-attaque, justement de. Oui, c'est ça. Une belle contre-attaque de la part de l'Albanie, mais un gros milieu pour le Liban. Quand même Ah oui. noter la défense centrale ultra impressionnante de l'Albanie.
25,25. Ouh, ouais. C'est assez énorme. Costaud. Mais une belle attaque sur la gauche. Donc ça va pas être simple pour le Liban, qu'on se le dise. Mais c'est faisable. Ok, et pour finir, le Bénin face à la Malaisie. Le Bénin en 3-5-2 face à la Malaisie en 3-5-2 également. Alors là, vous prenez une pièce dans votre portefeuille, vous la lancez et vous aurez décidé du sort du match entre C'est le un peu Bénin et la ça. Malaisie parce que c'est assez équilibré. C'est un peu un 50-50, effectivement. La Malaisie qui joue en jeu créatif, par contre. Donc voilà, petite Effectivement. information. Gros jeu créatif. Ouais. En Et 10-20 plus tout, 3. tous les joueurs ont une spécialité. Effectivement. Et du côté du Bénin, il y a un joueur qui n'a pas de spécialité. Au milieu. Gualbert Abimbola, qui n'a pas de spécialité. Donc voilà, donc intéressant en tout cas, on va suivre tous ces matchs, on espère bien évidemment des victoires pour les équipes gérées par des francophones, ça serait bien. Et un beau secteur offensif pour le Bénin, nous dit Escalpé Papette. Effectivement, à droite, oui, effectivement, du côté droit pour le Bénin, ça c'est vrai que c'est marquant, mais compensé par le fait qu'à gauche, c'est un secteur voilà, un peu délaissé. Donc on va espérer des attaques à droite pour le Bénin en tout cas, pour que ça le fasse. Et donc voilà au niveau des matchs qu'on va suivre. Et je pense qu'on peut passer aux actualités parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Alors attention, on n'a pas de beaux écrans pour les actualités. C'est scandaleux, mais on va voir ça aussi un peu avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines? Alors déjà, c'est quoi ce bordel dans les équipes de France? Voilà, on y va directement les pieds dans le plat. Direct, voilà, on n'a pas le temps de niaiser, comme on dirait au Canada. Donc voilà, d'un côté, il y a une équipe de France où le sélectionneur démissionne avant la fin du mandat, et de l'autre, on a un sélectionneur qui crée la polémique, en tout cas sur le forum, on a vu qu'il y avait certaines polémiques. Alors on va parler de quoi d'abord, Darcel? Oh, je pense que l'équipe de France U21, on l'a déjà évoqué, ça commence à dater un petit peu. C'est surtout l'équipe de France A qui a créé la polémique récemment Oui. avec Casselec qui a posté un message sur les forums pour mettre à la lumière du jour un petit peu le comportement de Walter Formica, le sélectionneur A d'origine italienne. Et bon, là, chacun devrait aller lire ce sujet pour se faire son propre avis sur cette situation, mais ça a l'air assez tendu. On a vu passer des messages sur le forum aussi, effectivement, avant ça en tout cas, où ça allait un peu dans les deux sens, hein, du côté des suiveurs, du côté de Walter Formica, c'était assez, ouais, effectivement, il y a quand C'est même une ça. sorte de, comme une sorte d'incompréhension peut-être entre les deux camps, où il y a eu des tensions, il y a des choses qui ont été faites. On connaît la communauté française et surtout sur les forums, ça peut vite être assez vif et assez offensif, on va dire, dans les dialogues. Et je pense que Walter Formica n'a pas su gérer ça et sous la pression, il a viré certaines personnes des Ouais, il fédérations, a même très il mal s'est un géré peu ça. enfermé sur lui-même, etc. Et forcément, bah, c'est très mal compris par la communauté française et on peut les comprendre. Bien sûr, bien sûr. Et ça donne un peu cette sensation de cavalier seul entre Walter Formica et Zorro, je crois que c'est ça, le sélectionneur adjoint, deux Italiens qui sont à la tête de l'équipe de France et qui ont un peu, on va dire, qui font un peu maintenant tout dans leur coin, en tout cas. Oui, et le fait que ce soit des Italiens, ça n'aide pas ce constat, je pense. Ce serait Voilà. des Français, on se dirait, oui, bon, ils ont besoin de se concentrer, etc. Là, on a des gens qui ont l'impression qu'on leur vole leur équipe de France. Ouais, c'est ça. Et C'est ça, notamment exactement. la DTN qui est toujours auprès de l'équipe de France depuis le début. Si on les écarte, ils vont se sentir un peu floudé, je sais pas comment dire. Ouais, floué. Mais d'ailleurs, justement, il y a des problèmes aussi avec la DTN, justement, non? Ils n'ont plus vraiment les accès, tout ce qu'il faut, ou est-ce que ça va? J'ai pas tout suivi ça au niveau de la DTN. Oui, je crois qu'il y a un problème d'accès aussi Je crois, hein, ça devait. enlevé ou pas donné à la DTN. Donc oui, ça crée pas mal de problèmes. Donc voilà, maintenant,
voyons un peu de positif quand même dans cette histoire, même si on a très peu, je pense. Oui, puis, comme le dit Petit Bac, apparemment c'est résolu. Ok, ça va, c'est déjà une bonne nouvelle. Peut-être que la situation s'est apaisée, peut-être qu'il y a des accès aux fédérations qui ont été redonnés, peut-être qu'il y a eu un dialogue qui s'est réinstallé, je ne sais pas plus, mais en tout cas, voilà, peut-être que le fait que Kaselec l'ait mis sur les forums à la vue de tous, ça a peut-être arrangé la situation. Je sais Okay. pas. Mais salut Dundee aussi qui nous a rejoint. Va petit club explique. Ouais, n'hésite pas petit club, si t'as des informations parce que nous on n'a pas toutes les informations. Petit bac, pardon. Mais dans les bonnes nouvelles entre guillemets, il y a quand même Walter Formica qui n'arrête pas de communiquer en disant que lui son but c'est de faire le maximum pour l'équipe de France. Alors oui, ça paraît un peu contraire par rapport aux actes qui ont été faits. Mais au moins, il n'est pas en train de faire n'importe quoi avec l'équipe de France non plus. Enfin, je veux dire, tu vois, le pire, ce serait de couper les accès et de pourrir la sélection. Heureusement, on n'en est pas là. Pour ça, il y a des actions qui peuvent être entreprises oui, oui. si jamais ils faisaient n'importe quoi. Mais comme on le voit avec les résultats de l'équipe de France, on est quand même bien placé, même très bien placé pour se qualifier pour le tour 2 de la Coupe du Monde. Il a fait de belles choses en Coupe d'Europe. Donc ça va, on peut quand même continuer à lui faire confiance. Tout à fait. Malgré tout. Tout à fait. Walter a fait revenir à la Fédé tous ceux qui ont fait une demande après avoir été virés. Ok. Donc il y a des choses qui ont été faites, en tout cas, dans le bon sens, en tout cas. Heureusement, parce que ça a quand même créé une grosse tension au début où c'est arrivé, et un gros malaise. On a senti vraiment un gros malaise, donc c'est bien que les choses, en tout cas, ont l'air de s'apaiser. Maintenant, il y a toujours aussi... C'est Corto le Maltese, hein, je pense, qui communique sur le mandat, qui est un peu, on va dire, le porte-parole, qui lui fait un bon boulot et se retrouve un peu au milieu de tout ça. Et malgré ça, il fait un bon boulot. Ça, c'est fou aussi. On peut voir dans les choses positives, c'est ce travail, en tout cas, de porte-parole qui est fait sur le forum. Et il est un peu entre deux, quoi. Je pense que là, maintenant, ça se passe très bien pour lui, mais il y a une semaine ou deux, c'était un peu tendu. Tu vois, d'un côté, tu dois essayer de faire vivre l'équipe de France et essayer de faire des petits messages humoristiques, sympas, etc. Et de l'autre côté, il y a tout le monde qui crache sur le sélectionneur. Et c'est un peu... Mais là, c'est... En tout cas, il fait un chouette boulot quand même aussi. Ouais, c'est toujours compliqué. C'est l'une des principales raisons pour laquelle je me suis jamais trop lancé dans le projet d'élection en France. Parce que ça peut être très vite tendu, quoi. Tu penses qu'en France, c'est plus tendu que dans les autres nations ? Clairement, okay. sans aucun doute. Peut-être qu'en Italie ou quoi que ce soit, c'est à peu près pareil. Mais par rapport à... Bah, je pense qu'il y a des gens sur le chat qui pourront le confirmer. Au Maroc ou quoi que ce soit, c'est quand même beaucoup plus agréable. Au niveau, tu veux dire, de la manière dont ça se passe de manière générale, des suiveurs, des attentes, des... C'est ça. Okay, ça. Principalement des attentes et de l'interaction entre la communauté et le sélectionneur, ça peut très vite être tendu. Alors que dans d'autres pays, on a un peu plus droit à la défaite. Parce que des fois, c'est même souvent qu'il y a des défaites sans avoir fait d'erreur. Ouais, non, bien sûr. Et les Français sont râleurs. Hein. Non, c'est vrai. Je vais me faire incendier par tout le monde. C'est une blague, c'est une vanne, bien évidemment. Je ne saurais que l'approuver. mais c'est vrai que par contre, sérieusement, c'est vrai qu'il y a... Mais il y a une grosse communauté quand même en France, il faut quand même le dire. Enfin, ça reste attrique, hein, mais au niveau, on va dire, proportion, ça reste quand même une grosse communauté. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont de l'expérience dans le jeu. Il y a beaucoup de pression et d'attente par rapport à tout ça. Il y a, comme tu dis, hein, une erreur ou quelque chose, une composition un peu mal faite ou quoi, ça va vite être mis dans la figure du sélectionneur, ça va être reproché, il va y avoir des explications qui sont demandées, etc. Oui, c'est vrai que peut-être tout ça joue aussi dans cette oui, difficulté. Oui, puis il y a le fait que l'équipe de France n'ait jamais eu de médaille d'or, qu'il y a eu très peu de médailles. Enfin, il n'y en a eu aucune en A, mais il y en a eu quelques-unes il y a longtemps en U20. Donc, Ça doit peser. Je pense que s'il y avait une petite médaille d'or en Coupe d'Europe ou une médaille d'argent en Coupe du Monde qui se mettait sur l'étagère, ça apaiserait peut-être un petit peu les choses, mais c'est pas si simple forcément. Ok, donc voilà en tout cas pour cette actualité qui, voilà, là ça a l'air d'être en tout cas, on est plus dans le positif, enfin on revient dans le positif j'ai l'impression, donc tant mieux. On revient au sport, c'est surtout ça. Voilà. On revient... c'est ça, à l'essentiel, non mais c'est vrai. C'est ça.
Scalpel et Popette qui nous dit au Bénin, ça risque d'être mort bientôt. Comment ça au Bénin? Il y a quand même une grosse communauté, beaucoup de gens impliqués, non? Il y a eu des soucis aussi au Bénin maintenant? J'espère pas. C'est possible. Ah, ok. Bon, on va attendre des explications de Scalpel et Popette. Ou c'est peut-être par rapport au résultat, je ne sais pas. Je sais pas du Ah, tout. c'est l'actualité, oui, c'est ça, Scalpel et Popette qui voulait nous parler de son actualité. C'est mon actualité, ok. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah. Bah, dis-nous en tout cas ce qui se passe, si tu as des infos du côté du Bénin. Avidewenu et toute la clique en tout cas du Bénin. Oui d'ailleurs, et ça donnait quoi les élections du Bénin? C'est vrai que je vais peut-être jeter un petit coup d'œil parce Eh que... ben, c'est un Argentin qui est Ah! élu. Alors voyons voir s'il y avait un Béninois qui s'était présenté. Oui c'est ça aussi. Est-ce Ah non, que... non, non, je dis des bêtises. En 2021, c'est un Béninois qui est élu, c'est Dexdino. Et l'Argentin, c'est le sélectionneur national. Et il n'y avait pas de Béninois aux élections, donc. Ok, et il y avait... Ah oui, donc Videwenu, c'est pas inscrit. Alors, son activité, Drago Sashim a perdu. Ok, ah oui, effectivement, c'est ouais, 78-54 au niveau des votes. L'Argentin, c'est pour les A, ok. Salut Bob, Bob qui nous rejoint. Et c'est le grand malheur qui tombe sur nous. Mais pourquoi Scalpel et Popette, c'est un sélectionneur qui veut faire à sa manière et qui veut pas reprendre le staff actuel ou... Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est le malheur? Est-ce que vous avez essayé de communiquer avec le sélectionneur? Est-ce que... Enfin voilà. Vidéo Alors et qu'il y news. a un but de la Côte d'Ivoire. Oui, Ah. oui, oui, oui. Oui. Ça, c'est Alpa qui le fait Oui. bien, tu vois, quand il y a un but. Oui, on entend un bruit derrière, mais... Oui, c'est presque ça, c'est la merde. Ok. Bon. Bah disons qu'au niveau des équipes nationales, pour l'instant, c'est un peu la débandade. Et d'ailleurs, alors au passage, comme ça, mais c'est bien, on a des infos un peu des autres nations, c'est cool aussi, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la France, et c'est bien d'avoir un peu des actualités des autres nations. Ça se passe comment, donc au niveau des gens, des gens qui aidaient au Bénin? Est-ce que tout le monde est en train de quitter le Bénin et va aller autre part, ou... Oui, on communique avec lui, mais il n'a pas l'air très ouvert à ce qu'on l'a mis, à ce qu'on a mis en place. Ok. Ouais, ça c'est toujours le problème dans n'importe quel pays. En fait, il y a des gens motivés qui viennent, enfin souvent des étrangers qui viennent et qui mettent quelque chose en place dans un pays. Et il y a souvent un autre étranger qui arrive à un moment bien extérieur à ça et qui ravit la place de sélectionneur. Et ben il y a souvent des clashs. Et soit la personne s'intègre avec ce qui a été mis en place et ça marche à peu près bien. Soit c'est pas le cas et bah tout est à recommencer quoi donc Mais disons que ce qui est frustrant aussi, c'est que, tu vois, quand t'es sélectionneur pour 2 saisons, donc on va dire 6-7 mois peut-être, c'est ça? L'équivalent de 2 saisons, ça va être 7 mois à mon avis. Et deux donc, saisons ouais. quand un staff met tout un processus, met en place tout, c'est quand même un travail sur du long terme, hein. Tu vas mettre tout un travail en place pendant 7 mois, et qu'après quelqu'un d'autre arrive et lui veut faire à sa façon, mais il a le droit aussi de faire ça à sa façon, c'est le jeu, il peut faire comme il veut. Mais c'est frustrant pour les gens qui étaient là avant, qui ont essayé de mettre en place quelque chose, et finalement tout est ruiné du jour au lendemain. Donc en fait, les deux sont compréhensibles, hein. Je dis pas, tu vois, il n'y a pas de... C'est quoi la bonne manière de faire? C'est toujours compliqué, c'est un peu le débat qui malheureusement n'a pas de réponse, il n'y a aucune obligation à ce niveau-là, mais... Je suis resté dans le staff ainsi que Bob, mais il a mis son adjoint inconnu de tous. L'équipe U21 de ce soir, c'est du n'importe quoi. Alors qu'il aurait été pas mal de mettre la vraie génération pour l'XP. C'est frustrant. Il va mettre en l'air des saisons de boulot. Voilà. Ça, c'est à mon avis le plus frustrant quand même Ça, voilà. à ce niveau-là, effectivement. Donc ça, c'est pas cool non plus au niveau du Bénin. Donc pas des Parce bonnes qu'il nouvelles. y a des pays en fait où on suit les joueurs depuis qu'ils ont 15 ans ou 16 ans en équipe, en académie, on accompagne les propriétaires, on les suit à 17, 18, 19 ans, 20 ans. Et imaginez voir ces joueurs arriver en équipe nationale et être complètement gâchés, ça peut être frustrant pour les gens qui ont fait tout ce travail de suivi. Tout à fait, ouais, non, effectivement. Est-ce que s'il y a d'autres personnes qui sont dans les équipes nationales d'autres pays, dites-nous que tout va bien de votre côté quand même. Petit bac, rassure-nous que tu sais qu'on voit un peu du soleil dans toute cette dans toute cette Par morosité. exemple, en Algérie, Ah oui. ça se passe toujours bien. Il y a toujours des communautés où c'est toujours agréable, etc. Donc, pas de souci. T'es toujours, t'es, attends, t'es, en Algérie, t'es toujours sélectionneur, c'est ça? Non, 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 c'est Chercheur Ah oui, qui a donc. repris son rôle de sélectionneur. Je l'avais remplacé Oui, c'était ça. temporairement sur un mandat. Et ça se passe toujours bien. On est toujours.
très très soudé, bah la preuve, hein, je lui redonne sa place sans aucun problème. Cool. Et pas de souci là-dessus, on continue le travail. Il y a toujours une Golden Generation qui est en train d'être montée en équipe A. Ça avance, ça avance. Ok. Et alors oui, parce que là on parle donc des ah, les U21, il y avait quand même une petite actualité qui s'est passée. On a parlé juste avant en off, on va dire, mais c'était au bal masqué qui a été réélu en tout cas. Enfin, qui a été élu, pardon. Enfin, réélu Oui, le. à moitié, quoi. Mais bon, bref, c'est compliqué. Mais oui, EZ? Sinon, il y a la Côte d'Ivoire qui vient de mettre un but. Mais ça, on C'est l'a. l'Irlande. Ah, Ah, je l'ai déjà dit. Oh pardon, là là, il désolé. suit pas. Il suit Non, pas. mais alors, attends, Je attends. suis à l'ouest. Je suis à l'ouest. Y a pas Hein. de souci, mais tu sais qu'en plus, Z, le pire, c'est que. Enfin, j'étais aussi poli et sympa, mais en fait, le Tanzanie-France, France-Tanzanie, on l'avait dit aussi juste avant que toi tu le redises après. Mais c'est pas grave, hein, Ok, tu vois. d'accord. Non, Je me suis dit, je Z est suis un peu à fatigué. Tu l'ouest. vois, voilà. Oh, mais très Il a du fatigué. Sinon, il y a le micro de Dapidu qui n'a pas l'air de fonctionner. D'accord, ok. Bon, je vais essayer de me concentrer. Non, t'inquiète, t'inquiète, pas de souci. Pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, Les donc élections au bal au bal masqué. masqué, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est au niveau des U21. Donc au bal masqué qui était sélectionneur de l'équipe de France A et qui maintenant est sélectionneur de l'équipe de France U21 après avoir été sélectionneur de remplacement, on peut dire ça Oui, intérimaire, parce que c'était intérimaire. pour sept amicales, un truc C'est comme ça. ça. Parce que, donc, pour résumer, c'était Sept amicaux, pardon. cette match amicaux, tout à fait. Et donc, voilà, c'est pour remplacer le départ du sélectionneur qui avait démissionné. Donc, elle avait remplacé pour ouais, cette semaine. Et la Tanzanie qui marque. Alors, attendez, petite priorité au direct. La France qui est menée face à la Tanzanie 1-0. Alors, ça va pas faire l'affaire de Walter Formica sur les forums. Et sinon, t'as vu que la Tanzanie a marqué? Ouais, c'est ça. Ah non, Zen, il va faire ça toute l'émission. On est foutu maintenant. Ah, ça, c'est l'émission bordélique. Un but sur l'aile gauche, c'est. Bon, c'est chanceux de leur part, mais il y avait quand même 17% pour la Tanzanie, donc c'était possible. Ça peut arriver. Ça reste encore faisable pour la France, hein, il n'y a pas de souci, mais ça surprend. Et Scalpé Popette qui nous dit que la Tanzanie vient de marquer. Ça va Non, être c'est pas possible, je n'y le crois pas, running gag, tu Scalpay vois, Pot, tu de dis ça. n'importe quoi. Oui, Scalpé Popette qui nous remercie pour l'actualité, mais avec plaisir, bien sûr, n'hésite pas. Et donc j'ai vu que vous restiez dans le staff justement pour essayer de réparer les pots cassés. Donc bon courage en tout cas avec le Bénin. Donc voilà, au bal masqué, vous en pensez quoi? Bonne nouvelle, pas bonne Oh, nouvelle? au vu des candidats, c'est quand même le choix le plus évident. Ok. Même si je veux pas privilégier un quelconque candidat. Bon, Paul Masca a quand même un palmarès qui parle. Il avait fait du bon travail avec l'équipe de France A. Et puis c'était dans la continuité de cet intérim, donc c'était assez évident et ça se ressent sur les voix, hein, parce qu'il y a quand même Tout 45% à fait. pour cette candidature, donc il n'y a plus qu'à travailler. Exactement. Il y a eu un débat quand même. Tant qu'on est dans les polémiques, etc. On n'est pas là pour faire des polémiques du tout, hein, mais c'est juste pour en parler. Il y a eu un débat sur le forum où les gens avaient l'air de dire, enfin à mon avis, il y a ceux qui étaient pour au bal masqué pour qu'elle soit réélue, et les personnes qui étaient contre qui disaient, ouais, mais finalement, les gens vont pas lire sur le forum et vont regarder juste entre guillemets le palmarès de la personne qui est élue. C'est pas spécialement mon avis, hein, mais je relaye juste ce qui a été dit, bien évidemment, sur le forum. Donc voilà, il y a eu un peu ce débat, tu vois, de est-ce que le sélectionneur est réellement élu parce que les gens vont aller lire sur le forum le fil d'élection et poser les questions et voir les questions, etc. Ou est-ce que le palmarès compte énormément dans la majorité ou dans beaucoup de voix des gens qui vont voter? C'est une question, je pense qu'on ne peut pas avoir la réponse de toute façon, c'est très difficile d'avoir la Bah, réponse. moi, je suis toujours de ceux qui pensent que ça se joue à la tête. Ça se Ok. joue à la tête, soit si c'est une personne connue, soit si c'est un palmarès, quelqu'un en championnat ou en division 2. J'ai du mal à croire qu'il y ait des gens qui lisent les forums et qui votent selon ce qu'ils lisent sur les forums. S'il y en a, ça doit représenter une partie très infime des votes. Que les gens votent pour ce qu'ils disent sur le forum, c'est ça que tu veux dire? Non, justement, À l'inverse, ok, pardon, les oui, gens ok. votent sans lire les forums. Moi, le premier, hein, je l'avoue totalement, je m'embête pas à lire tous les forums pour voter. J'ai toujours à peu près mon idée en voyant la liste des candidats. Ok. Donc, je suis persuadé que c'est le cas de 90% des voix exprimées. Donc, dans ce cas-là, le palmarès compte énormément. Ah bah Dans ce que tu penses. oui, clairement. Ok. Et Après. ça se voit sur les résultats, hein.
J'ai déjà vu des mecs faire des comment dire des candidatures excellentes, répondre au tac au tac sur toutes les questions, avoir un staff bien en place, etc. Mais ne pas être une tête de gondole impressionnante, perdre contre des gens bah, qui eux étaient soit en championnat, soit le sélectionneur sortant, soit quoi que ce soit. On en a vu plein. Il y a eu déjà des débats là-dessus Bien à sûr. l'époque de Tips, par exemple. Il y a eu un gros débat là-dessus. Et c'est l'occasion de dire bonjour à Lapin qui nous a rejoint. Lapin qui est sélectionneur adjoint d'ailleurs, ou dans le staff en tout cas. En tout cas, dans le staff de l'équipe de France, c'est sûr, vu qu'il fait des bons messages sur le forum en tout cas. Il nous a pas posé un lapin. Merci à lui. Exactement. Ouais, au cas où, Lapin, c'est juste pour te rassurer. On lance des pavés dans la mare, mais on n'est pas là du tout dans la critique ou quoi que ce soit. C'est juste dans l'interrogation, les questions. On parle un peu de l'actualité, donc de l'élection de Obal Masqué. Et qu'en Le penses-tu de... lapin, de toute façon, pourra est un bon exemple parce que si je dis pas de bêtises, il a fait de très très, très bonnes candidatures avec toujours des propositions bien étayées et il n'a jamais été élu. Donc C'est vrai, c'est vrai. c'est un bon exemple. Si je dis pas de bêtises, hein. Là c'est de souvenir parce que encore une fois, je ne lis pas trop les forums en élection. Et l'Autriche qui vient de mettre un but face au Maroc, Aïe, aïe, oh là là, c'est malheureusement. pas des résultats positifs pour l'instant de tout. À part la Côte d'Ivoire, c'est vrai que le Maroc est mené, la France est menée. Peut mieux faire, quoi, on va dire. Donc Lapin qui est bien dans le staff, effectivement. Donc voilà, ça c'était donc dans les grosses actualités de l'équipe de France, en tout cas des deux côtés de l'équipe de France. Il y en avait pour tous les goûts, en tout cas, entre. Enfin voilà, en tout cas du côté de l'équipe U21, ça a l'air de bien se passer et ça c'est chouette. En tout cas, il y a un bon staff qui est mis en place, un bon groupe et donc voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'équipe de France au sens large. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les autres actualités? Oui, il y a une autre actualité aussi intéressante, c'est par rapport au système de tirage au sort des poules. Alors ça, Darcel, tu en sais plus que moi, je pense. Oui, des coupes, Des des coups, coupes. pardon, tu vois, j'arriverai jamais. Des coupes. Alors, en fait, avant, pour vous expliquer très rapidement le système, concrètement, c'était selon le classement de l'équipe. Et le but du tirage au sort de coupe avant, c'était de privilégier les équipes les mieux placées, donc les équipes de championnat, de division 2, etc., etc. Et ça fonctionnait de sorte à ce que parmi toutes les équipes qualifiées, à chaque tour, la meilleure équipe jouait contre la plus nulle qualifiée. Donc c'est pour ça qu'au début on voyait les équipes de championnat jouer des équipes de D6, de D5, etc., etc. Et là, c'est toujours le cas sur les premiers tours. C'est juste que maintenant les tours sont tirés deux par deux, ce qui fait que si dans un match vous avez une équipe qui crée un exploit et qui élimine une équipe de D1, eh ben, elle va jouer contre une équipe faible. Elle va jouer contre l'équipe qui était prévue pour cette D1. Et ben, ça peut avantager les équipes qui créent des exploits. Donc c'est très bien. Et pour ceux qui ne créent pas d'exploits, c'est aussi très bien parce que vous pouvez connaître votre adversaire à l'avance, potentiellement. Donc c'est Incroyable. un gros changement qui est le bienvenu. Ah clairement, clairement. Vous en pensez quoi dans le chat? N'hésitez pas à le dire. Est-ce que vous aimez bien ce genre de changement? Moi personnellement, je suis pour à 100% parce que ça casse la monotonie un peu de la coupe. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Darcel. Oui, c'est bah en fait moi le premier j'avais réussi quelques exploits en coupe en allant au tour 5 par exemple en étant au fin fond de la D6 et c'était bien, c'était sympa mais ça me donnait aucun espoir parce que je tombais sur une équipe de championnat ou autre qui me défouraillait, excusez-moi le terme et puis voilà quoi, le bonheur durait qu'une semaine quoi. Alors que là, j'aurais pu tomber sur une équipe sympa, etc., etc. Ouais, c'est ça. Scalpel Popette qui ne comprend rien. En fait, pour faire simple, Scalpel Popette, à la base, là, en Coupe de France, Coupe de Belgique, Coupe du Maroc, le premier, enfin, la meilleure équipe, celle qui est classée numéro 1, elle affronte la dernière équipe. La deuxième, l'avant-dernière. La troisième, ça se passait comme ça avant, en fait. C'est toujours le cas maintenant, en fait. En gros, c'est un peu ça. C'est toujours le cas. Sauf que le tirage. Enfin, en gros, on peut voir deux matchs en avance, en fait. Merde, en fait, c'est dur à expliquer. C'est pas si simple à expliquer, tu vois, de manière facile. C'est imaginer en Coupe de France réelle, c'est comme si le Paris Saint-Germain tombait tout le temps sur le petit poucet. Voilà, la pire C'est ça, équipe. c'était l'ancien système. Et si jamais Contre Auxerre. le Paris Saint-Germain
se fait éliminer par le petit poucet, et ben le petit poucet va jouer contre le nouveau petit poucet, au lieu de tomber sur la deuxième meilleure équipe après le PSG, qui serait, Oui, je sais en pas, fait, l'Olympique de Marseille ou quoi que ce soit. c'est ça. En fait, voilà, le PSG affronte la pire des équipes et au tour suivante, elle affronte une autre des pires équipes, quoi, en gros. C'était ça. Sauf que là, Voilà. maintenant, bah, ça peut s'inverser parce que si une des pires équipes bat le PSG, bah, elle prendra la place du PSG et pourra affronter une des pires équipes également. Et donc, ça, en fait, ça permet aux outsiders, à ceux qui ne sont pas favoris, de pouvoir essayer de gagner sur un match. Ils peuvent peut-être, voilà, faire la sensation et en plus de ça, avoir des matchs un peu plus simples, entre guillemets, que s'ils n'avaient pas gagné. Et ce qui est bien, c'est que ça donne la chance aux petits poucets et d'un autre côté, ça continue de protéger les équipes de C'est ça. championnat et de division 2. Pour qui bah, la coupe c'est très important parce qu'ils ont besoin de pixer chaque mercredi pour ne pas être en retard sur l'état d'esprit. Et alors, un autre point que tu m'avais Donc c'est dit, bien. un autre point d'Arcel que tu m'avais dit aussi qui est super important, c'est que ça, on peut aussi, comment dire, anticiper un match de plus en fait, un C'est adversaire ça. potentiel en plus. Et ça, c'est chouette aussi, quoi. C'est en mode. C'est pas la surprise de bah tiens la semaine prochaine j'affronte telle personne, c'est juste que là 2 semaines avant tu peux savoir en fait qui tu peux affronter. Oui, bah, par exemple, pour les équipes qui veulent aller loin en coupe ou enfin, qui mettent une importance sur la coupe, s'ils voient qu'il y a par exemple une équipe tire de loin qui risque de tomber au prochain tour, ils pourront préparer leur compo en avance, prévoir par rapport à leur championnat ce qu'ils pourront jouer pour pas faire jouer forcément les joueurs sur les deux compositions. Enfin, c'est beaucoup mieux pour anticiper. C'est C'est ça. une bonne chose. Alors Lapin qui dit le tirage n'est pas fait au début de saison, le petit poucet qui bat une équipe de championnat devient de fait tête de série. Attends. Ah oui, avant tu veux dire. Ah oui, avant, donc avant qu'il y ait ça, c'était déjà le cas en quelque sorte. Attends. Non, non, non. Avant le petit poucet, s'il se qualifiait contre une équipe de championnat, il retombait sur une équipe de championnat. Et c'est justement ce que Ok. ça m'avait fait moi sur une précédente coupe. J'avais réussi un exploit contre une division 2, je crois, et j'étais tombé sur une équipe de championnat qui m'avait mis ma saucée que je méritais. Ok. Bah, en tout cas, déjà, rien que le fait de savoir en avance le potentiel adversaire de la semaine d'après, c'est assez sympa déjà, en fait, ce truc-là aussi. Enfin, à voir après, effectivement, faut après voir concrètement ce que ça va donner. Mais à première vue, ça a l'air pas si mal, en tout cas. Je vais prendre un Doliprane, j'imagine, ouais. Oui, désolé, ça c'est assez compliqué. Mais donc voilà, au niveau. Effectivement, Lapin, voilà, avec la nouvelle formule, le petit poucet prend la place d'une équipe de championnat. Et va Et ils affronter vont des avoir, outsiders. entre guillemets, le même tirage au sort que s'ils étaient une équipe de championnat. Et ça, si c'est le cas, enfin, si c'est le cas comme ça, effectivement, c'est chouette. C'est un peu plus sympa comme ça. Ok, donc au niveau de la coupe, ça c'est pas mal aussi. Et alors, est-ce qu'il y a eu d'autres actualités marquantes? N'hésitez pas dans le chat aussi, hein, vous êtes là aussi pour participer avec nous. Là, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines. On a déjà vu pas mal d'actualités, je pense. Dans les actualités importantes, on va Après, dire. on a. Alors, je vais essayer de le retrouver. On a Petit Club qui avait fait un tour des Français en lice pour les élections dans d'autres pays. Je vais essayer de le retrouver. Je me dépêche. Pas de souci, en attendant je vais répondre au chat. Donc si on crée l'exploit, on compte une équipe faible. Voilà, ça serait ça a priori le principe. But de la La Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire. qui m'a deuxième but, oui. Tout à fait. Donc deuxième but de la Des Côte fois, je d'Ivoire. Ah, c'est suis. beau. Mais c'est beau, c'est beau. Et Bob le Vautour qui nous dit, on se fait quand une tentative de record du monde? Alors, à mon avis, cette année, ça va être un peu juste, mais pourquoi pas l'année prochaine? Enfin, on verra. En tout cas, cette année, il reste un grand événement. Cette année, on fait souvent un événement spécial par, on va dire par mois ou tous les 2 mois. C'est quoi Z, le prochain grand événement de HT Actu? C'est l'édition spéciale Noël. C'est exactement. Donc dans, c'est dans. Attends, je dis pas de bêtises. On va pas mentir aux gens. C'est dans combien de dodo, Dapidu? Non, dodo, je ne sais pas, mais en tout cas c'est dans 3 semaines. Donc dans 21 dodo, voilà. Dans 3 semaines, donc le 16 décembre. Oui, Et j'ai Darcel. retrouvé le fil. Donc, Petit Club qui avait fait un récap des Français en lice pour les élections. Et ça nous a permis d'apprendre que, par exemple, en Algérie, chercheur redevient sélectionneur U21.
Il remplace Darcel, je sais pas si vous connaissez, bref, Ouais, je crois ça que c'est pas c'est important. un fauteur de troubles. Il est nul. Au Maroc, on a El Pepito qui est élu. Je ne sais pas s'il l'avait déjà été. On a en Côte d'Ivoire, tac tac tac, que je retrouve Jempalo, qui est élu. En Haïti, on a Blue Ocean, qui a Darcel comme adjoint. Décidément, il est partout, celui-là, il est chiant. Ah, ok, je savais pas ça, Haïti, Blue Ocean. Ok, cool. Oui, Blue Ocean, Ouais. qu'on essaiera d'avoir dans une Ça serait émission. cool à fond, Hein, à je fais un fond. petit peu de teasing. Ah ouais, non, mais ça serait cool. Au Sénégal, on a Petit Club qui a été réélu suite à son travail Très bien. dans le pays. Et au Cameroun, on a Amon qui est élu. Ok. Donc je dois avoir fait le tour Donc ça, des c'est Français les Français, on est d'accord. sélectionneurs. Français Voilà. sélectionneurs, pas Après, il y a francophones. le francophone, je n'ai pas la liste. Non, mais c'est ça, c'est une liste un peu plus, on va dire, large en tout cas, mais très bien, pas mal de nations à suivre en tout cas pour voir ce que ça donne du côté des francophones. Ce qui est assez chouette. Je vois qu'on approche déjà de la mi-temps. En fait, le temps passe super vite. Il y avait beaucoup d'actualités aussi, on n'était pas là pendant 3 semaines, il fallait parler de beaucoup de choses. Après la mi-temps. Donc on fera une petite pause à la mi-temps, histoire de se rafraîchir, et vous aussi de votre côté, bien évidemment. Après la mi-temps, on aura Z, qui aura une nouvelle chronique, c'est ça, un Z? Tout à fait, bon, ça reste toujours un truc fun, mais on va dire qu'il n'y aura plus vraiment de fil conducteur, ça sera un petit peu en fonction de mes idées, de mes lubies, de mes états d'âme. Voilà. Ok. D'ailleurs, ça va s'appeler comme ça. Ensuite, nous, on ira voir un petit message qui nous a fait marrer sur le forum. Ce sera un peu une nouvelle chronique qui parlera un peu des forums de temps en temps. Ce sera un peu comme la tribune des supporters, mais on vous en parlera après. Et on finira avec un quiz. Et alors, ceux qui étaient là il y a 3 semaines, c'est quoi la subtilité de ce quiz? Bon, on va poser une question. On va voir ceux qui étaient là il y a 3 semaines s'ils se rappellent la subtilité du quiz de ce soir. Et en attendant, donc le quiz, ça sera justement Z aussi. Bah, dis donc, Z, t'as pas chômé, toi. C'est quoi ça? Le Eh ouais, on n'ira pas quiz, chez une chronique, il veut prendre notre place, hein, Darcel, fais gaffe, hein, t'as vu, il fait tout, quoi. la tienne, surtout d'Apidu, la tienne. oui, donc, pardon, dans le chat. Alors, il y a Delgirine qui nous dit bonsoir, ça fait plaisir de vous revoir. Bah, ça fait plaisir Hello. aussi. Et donc, dans le chat, ah, je pense que personne n'a la réponse. Vous vous rappelez plus il y a 3 semaines? Ceux qui étaient là il y a 3 semaines, n'hésitez pas. Hein. C'est quoi la subtilité du quiz de ce soir? Il y a une subtilité en tout cas. Si vous ne l'avez pas, on vous le dira après, il n'y a pas de souci. Mais ça n'a pas l'air de savoir en tout cas. Ok, vous n'étiez pas là il y a 3 semaines. C'est triste, hein? Non, il n'y a pas de souci. Après, c'est il y a 3 semaines, il faut s'en rappeler aussi quand même. Et oui, mais ça fait plaisir, on est de retour, enfin, voilà, on a pris une semaine de plus, on voulait faire 2 semaines de break, finalement on en a fait trois, mais parce que c'était plus la semaine dernière, c'était plus un problème de timing entre les gens qui n'étaient pas là, les gens malades, etc., donc, enfin, ou les empêchements et tout ça, donc c'est pour ça que, voilà, on a mis une semaine de plus, mais là on est bien présent, il manque juste Alpa, donc on est triste, hein, on n'a pas Alpa avec nous ce soir, mais il sera bien là, la semaine prochaine, je suis même pas sûr s'il sera là, mais en tout cas la semaine d'après, c'est sûr, mais, donc voilà. Ah, c'est Yacht, ok, bah en fait, ah merde, c'est vrai, j'ai changé mon pseudo Twitch, c'est Yacht. Merci Yacht, ça me rassure, parce que en fait, c'était pas marqué que c'était une nouvelle personne, mais j'étais en train de me dire, j'arrivais plus à voir c'est qui en fait, Dejrine, mais Yacht, ça on voit bien évidemment. Yacht, moi, ça restera à jamais celui qui a gagné l'écharpe l'année dernière à l'émission spéciale Noël, quoi. Ta belle écharpe, Darcel, d'ailleurs, que t'aurais eu bien J'espère besoin, qu'il la t'en as bien. met et qu'il met bien son radiateur à 19 degrés. Et alors, du coup, juste avant la mi-temps, la Finlande qui a mis un but face à la Côte d'Ivoire, Et surtout. et la Côte d'Ivoire. et surtout la Côte d'Ivoire qui mène 2-1 face à la Finlande, Et surtout. et surtout, le Sénégal, Irlande 0-0. Ouais, j'allais le On faire va exprès. Et récapituler du coup, surtout. Maroc-Autriche 0-1, Liban-Albanie, c'est ça, 0-1 aussi, C'est ça. Bénin-Malaisie 0-0, et surtout Voilà. la France qui vient de mettre un but juste avant la fin de la première mi-temps, ce qui met le score Tanzanie-France 1 partout. Bien joué, bien joué. Escalpel Popette, bien joué. Des crédits remis en jeu, il me semble. Exactement. Il y aura 20 crédits à gagner ce soir au lieu de 10 habituellement. Parce qu'on tient quand même notre promesse. Hein. Enfin, voilà. On l'a dit que ça serait remis. Je sais même plus qui avait gagné de mémoire. On pourrait retrouver ça. On a un historique, je pense, avec les gagnants. Mais la personne qui avait gagné, je pense, avait dit on les remet en jeu, etc. Donc.
C'était pas Télès, d'ailleurs. C'était Télès, oui, je crois que je c'est pense. Télès, hein, 28 du d'abord. 10. C'est tellement rare, si 28 Télès, du si tu nous 10. écoutes en rediffusion, c'est tellement rare, ça, voilà. On retient ces choses-là. Télès avait eu 6 points, Petit Bac avait 1 point. Je crois qu'il n'y a que deux personnes qui étaient rentrées dans les scores à ce moment-là. Je crois que Télès avait cartonné au quiz. Mais genre Je vraiment, sais il avait plus, vraiment où j'avais cartonné. peut-être mal noté dans nos archives, parce que nous avons des archives, hein, mais... En tout cas, Tout est oui, Télès noté. avait cartonné avec 6 points, quoi. Je pense que c'est celui qui a sans doute fait le record pour l'instant des points sur un quiz. C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, nous, c'est la mi-temps. On va faire une petite pause. On revient à 21h. Il nous reste encore pas mal de choses à voir. Et on a mené une enquête aussi, vous allez voir. Enfin, ça fait un gros teaser pour pas grand-chose, mais vous allez voir, c'est quand même Et sympa. c'est pas tout à fait la mi-temps. C'est pas tout à fait la Ah mi-temps. non, pas du La tout, France a joué effectivement. du rab. Ah ouais, non, Ah complètement, en oui, fait, oh là là! complètement. La France qui met un deuxième but. Magnifique ça. Sur une En fait, contre-attaque de l'aile gauche. Sur l'aile gauche, du moins. C'est un peu comme au Qatar à la Coupe du Monde, il y a 14 minutes d'arrêt de jeu à chaque match, quoi. C'est ça? Exactement. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que elle vient de le mettre. Enfin, il vient d'apparaître maintenant alors qu'on était déjà en mi-temps. Mais non, mais parce qu'en fait, Non. il y a eu 15 000 actions à la 44e minute, tu vois. Ah ok Donc. d'accord, ah oui d'accord, ok je. Tiens, c'est Pardon, bizarre, Darcel, j'ai coupé ça que tu voulais dire, je pense. c'est la mi-temps, mais ils continuent à jouer en fait. Non, non, C'est ça. ils veulent pas faire la pause. Non, mais là, ils sont déjà rentrés, c'est juste le speaker qui, tu vois, il met du Ok, temps à tout d'accord. déballer comme action, quoi, mais. Voilà, il dit le match est actuellement arrêté. Ah non, oui, non, le match est actuellement arrêté. Gwendal Rose vient de se blesser. Ah oui, il y a des temps d'arrêt de jeu, Ah oui, en c'est. fait, c'est jamais fini Ah oui, non, le match. c'est le pied gauche pour information, le pauvre Gwendal. Il a subi un choc violent en plus, quelque chose de cassé, on verra bien, on va voir. Salut Jabout! Salut Jabout, on suit le Sénégal aussi qui pour l'instant fait 0-0. Ah oui, donc Darcel, Ok. ça finit jamais, c'est ça que tu voulais dire, hein, les actions. Oui, Ah voilà, c'est coup de sifflet de interminable. l'arbitre. 3 minutes après le début de la mi-temps, il dit voilà, fin de la première période, effectivement, le moteur de jeu s'emballe. Ça arrive hein, parfois. Et ouais, donc pour en revenir vite fait, c'est vrai que les prolongations en Coupe du Monde, pour l'instant, ça rajoute des paquets de minutes à hein, chaque fois. Ça va par paquet de 10. Hein, peut-être pas 10, mais bon, souvent c'est 7, 8, 6. Mais ça va, je pense une petite pause si ça vous va. Tout à fait. Petit break. On se retrouve, voilà, d'ici. On va mettre un petit compte à rebours, mais d'ici 10 minutes plus ou moins. Allez tous boire un verre, il faut se rafraîchir. À tout de suite.
voilà de retour pour la deuxième partie, une belle deuxième partie. On a pas mal de petites choses encore à voir avec vous. On espère que vous allez bien dans le chat. Nous, ça nous fait super plaisir de vous voir en tout cas. Et j'espère que vous passez quand même un bon moment en notre compagnie. Et Darcel, j'avais une question pour toi. Alors, j'ai voulu te la poser juste avant de reprendre, puis je me suis dit, je t'ai dit hein, que j'allais la poser devant tout le monde parce que peut-être que les gens se posent cette question-là aussi chez eux. Comment tu suis la Coupe du Monde en fait? Les matchs que nous on a le matin, c'est impossible pour toi, c'est en plein milieu de la nuit en fait. Ça fait 5 heures du matin, je crois. Ok. Les premiers, donc autant te dire que je les loupe. Ouais, classique. Donc sache que j'ai loupé le match de l'Iran ce matin, c'est triste. Hein. Ah, quel dommage. Mais genre, par exemple, après le reste, et même en règle générale, ça tombe dans l'après-midi, donc le week-end, ça va, c'est sympa. Ça passe. Okay. C'est, en semaine, c'est compliqué, mais sinon, ça va. Demain, l'équipe de France, c'est à 17h chez nous, je crois, donc à... Ça fait 11h ici. Ça va, c'est encore raisonnable. Ouais. Par contre, genre dimanche, la Belgique, c'est à 14h, donc c'est tôt chez toi. Ouais. C'est 8h ouais. Dans ce cas-là, c'est ça? C'est ça. Donc, tu et bah, dis-toi, par exemple, la JOCR, ils jouent à 13h, des aïe, fois. Ouf, ouais. Genre, par exemple, contre le PSG, ils ont joué à 13h. Et je me suis levé, ça fait 7h du matin au Canada, je me suis levé pour voir la JOCR perdre 5-0. En plus, quoi, c'est voilà. Vraiment le plaisir. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai qu'avec ce décalage... Parce que quand on y pense, franchement, les horaires de Coupe du Monde, de manière générale, c'est souvent fait pour l'Europe, quand même. Enfin, de manière générale. Oui, hein. Oui. Je pense que l'Europe... Mais, voilà, mais je vois par exemple les matchs à 13h le dimanche, même si c'était sur mon fuseau à 13h, je trouvais ça d'une connerie infinie. Ouais, Donc, à fond, ça je suis d'accord. Pour des championnats qui veulent s'exporter aux États-Unis ou quoi que ce soit, c'est con. Après, je peux comprendre parce qu'ils visent aussi le marché asiatique. Dans ce cas, c'est l'inverse, effectivement, c'est des heures en plus. Donc oui, voilà. 13h, ça fait 20h chez eux. Ils ont le cul entre deux chaises. Ça. Ouais, non, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Ok, mais ça va, je pense qu'on peut... On va continuer un petit peu. Donc au niveau des résultats, vous avez vu tout ça, bien évidemment. L'équipe de France qui est incroyablement remontée au score, en tout cas, elle mène 2-1. Le Sénégal qui fait 0-0, la Côte d'Ivoire qui mène, le Maroc malheureusement qui perd 1-0, le Liban malheureusement qui perd aussi 1-0, et le Bénin 0-0 face à la Malaisie. Et alors, petite parenthèse, on va dire. Est-ce que vous allez bien dans le chat? Est-ce que vous êtes chaud? Tu t'attends sur un ouais, mais en fait, non, pas du tout. Non, mais est-ce qu'il y a encore des gens avec nous d'ailleurs? Parce que je vois que c'est assez calme hein, dans le chat. Salut Dejrin, nous dit Skype et Popette. Et donc Dejrin, c'est Yacht, hein, il avait précisé. Ouais, c'est ça. C'est gênant quand personne répond et tu dis est-ce que vous allez bien dans le chat et qu'il n'y a personne Qu'est-ce que ça peut te faire? Voilà, c'est parfait, il y a des gens dans le chat, c'est cool. excusez-moi. Pas de soucis, Zed, pas de soucis. Et donc la Finlande qui est revenue à 2-2 contre la Côte d'Ivoire. Dommage ça pour la Côte d'Ivoire. Petite parenthèse, on va dire, c'est la tribune des supporters, hein, ça vous connaissez bien. Voilà, on n'a pas reçu de message, donc voilà, tout simplement. Donc ça va être vite fait, bien fait. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Hein, si parfois vous voyez des choses amusantes, si vous voulez dire quelque chose, etc., vous m'envoyez un HTML et puis comme ça on peut le diffuser la semaine d'après. Donc n'hésitez pas, c'est pour refaire une petite précision, c'est normal qu'on ait reçu aucun message, on n'était pas là pendant 3 semaines, on a dit aujourd'hui qu'on revenait tous les vendredis, donc c'est tout, enfin on s'attendait pas à recevoir des messages, mais pensez-y et pour la semaine prochaine. Il y a un but de la Finlande. Tout à fait, face à Côte d'Ivoire, ouais. Ça a déjà été dit? Oui, ben non, je ne vais pas le dire. Ah. Non, pas t'inquiète, pas de soucis. Parfait. Je l'avais dit, mais j'avais dit vite fait, je n'ai pas dit avec autant de sérieux que toi. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Mais j'avais dit vite fait en fait en disant ouais, j'ai peut-être dit la Suède en fait, c'est quoi, j'ai peut-être dit la Suède à égaliser face à la Côte d'Ivoire, j'ai un doute maintenant. Ah, ils sont en 3 maintenant. C'est pour ça. Toujours à l'apéro, ça va, nous dit Dundee. Donc je veux dire voilà, donc la tribune des supporters, voilà, il y a rien de spécial. Par contre, une nouvelle chronique qui va arriver de temps en temps ou pas, on verra, mais on se dit pourquoi pas de temps en temps parler de ça, c'est on aime bien les forums hein, sur Atrique, de toute façon le forum c'est vraiment l'endroit vivant du jeu, et on s'est dit pourquoi pas de temps en temps aller voir des messages amusants, sérieux, qu'il peut y avoir sur le forum. Et cette semaine, c'est tout frais, ça vient même d'aujourd'hui, il y a eu un message en fait sur le forum de, on va reprendre le message, de Darkman. C'est un utilisateur belge, comme vous pouvez voir sur l'écran, qui nous dit
Salut tout le monde, je sais bien que c'est une bêtise, mais il n'y a rien à faire, ça me pique aux yeux. J'ai ce gamin de l'académie, on va vous mettre le lien bien évidemment, qui n'a pas reçu sa majuscule et il en est très malheureux, il se sent terriblement discriminé. Alors on s'est dit, c'est quoi cette histoire? On a été voir, et effectivement, regardez, Jerry De Koninck, et je ne sais pas si vous voyez Jerry De Koninck, il n'a pas de majuscule à Jerry, donc il a un prénom sans majuscule. Alors déjà, première question dans le chat, est-ce que vous avez déjà eu un joueur sans majuscule avec son prénom? Darcel, est-ce que tu as déjà eu ça? Ah non, non, non. Incroyable cette histoire, c'est incroyable, tu vois, déjà, de ne pas avoir de majuscule. Il est collector. Ouais, non, c'est ça, déjà, c'est collector, tu vois. Sauf que... Exio 59, bah bienvenue à toi, 2022 Atrick sur Twitch. Et ouais, il a fallu le temps, il a fallu 22 ans, mais c'est bon, Atrick est sur Twitch, enfin. Alors oui, alors pour les gens qui connaissent Atrick, mais il y a longtemps, ils doivent se dire, c'est quoi ces extraterrestres qui parlent de ce jeu? Mais bon, on est là, on est des passionnés, tout simplement, voilà, on se fait plaisir en parlant du jeu qu'on aime bien. Si tu as joué à Atrick dans le passé ou si tu joues encore à Atrick, n'hésite pas à nous le dire et n'hésite pas à t'y remettre et n'hésite pas à participer avec nous. On est une bonne petite communauté, voilà. On est entre passionnés, tout simplement. Donc, on va revenir à Jerry. C'est un peu notre affaire du jour. Jerry, vous voyez, il n'a pas de majuscule. Et là, on a mené l'enquête. On s'est dit, mais comment c'est possible qu'un joueur n'ait pas de majuscule à son prénom? Déjà qu'en plus, Darcel, tu connais un minimum le CSS. On pourrait faire en plus des majuscules automatiques au début des mots, par c'est exemple. Ça. Tu vois. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi. Ouais, non, mais c'est vrai. De base, moi, je me suis dit, en fait, en gros, pour faire simple, au niveau du code, on pourrait dire, au niveau des prénoms, la première lettre sera toujours une majuscule. C'est quelque chose qui se fait de manière générale. Donc voilà. Donc là, c'est pas le cas, en tout cas. Donc Atrick n'a pas fait ça. Donc, je me suis penché sur ce Jerry et je me suis dit, on va chercher s'il n'y a pas un autre Jerry avec une minuscule. Tu sais, en se disant, est-ce que c'est vraiment le seul joueur ou pas? Et là, stupéfaction, on a croisé un autre Jerry, vous voyez, Jerry Deschamps, qui effectivement n'a pas de majuscule non plus. Incroyable. Et là, on s'est dit, ah oui, non, effectivement, en fait, il y a vraiment un problème au niveau des prénoms, des joueurs, etc. Et on a creusé encore un peu plus, et on a vu qu'il y avait encore un autre Jerry, vous voyez, à droite, Jerry de Ask. Donc voilà, encore un autre Jerry sans minuscule. Et bref, et on s'est dit, peut-être que c'est le de, tu vois, Jerry de quelque chose qui ferait qu'il y aurait un souci. En fait, non, parce qu'il y a des Jerry de avec une majuscule. Mais on a trouvé un autre Jerry. Alors, rien à voir, c'est un van. Alors, pour les Belges hein, qui nous écoutent, de et van, c'est plus ou moins l'équivalent. En fait, en flamand, van quelque chose, c'est de en français, l'équivalent de. Mais en tout cas, Jerry van Bokstal. Van Bokstal, pardon. C'est en tout petit chez moi, il faut bien se rendre compte, donc je ne sais pas bien lire. On voit que lui non plus n'a pas de majuscule. Et donc, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas de figure? Parce qu'il fallait que notre enquête, quand même, ait une conclusion. Parce que c'est un peu dommage de dire. Ah oui, en fait, tous les Jerry, il peut y avoir un problème de temps en temps ou pas. Sachant qu'en plus, ah oui, il faut savoir qu'on a fait des recherches sur d'autres prénoms. Hein. J'ai testé Jérémy, Jonathan, j'ai testé tout plein de prénoms en me disant, est-ce qu'il y a des minuscules? J'ai jamais trouvé d'autres minuscules. Alors après, il y a des milliers de prénoms, hein, donc forcément, je ne les ai pas tous faits. Peut-être qu'il y a d'autres minuscules. Mais de manière générale, en tapant quelques prénoms, bah, je n'ai pas réussi à trouver les minuscules. Et donc, bah, on a été voir notre Ella préférée, bien évidemment, pour avoir le fin mot de l'histoire. Et on a été voir Alpa. Et on lui a dit, bon, Alpa, c'est quoi ce bordel avec les prénoms? Parce que c'est les LA qui gèrent les prénoms. Donc ça, il faut savoir, c'est les LA qui gèrent les prénoms de votre pays. Donc Alpa, notamment, peut gérer les prénoms et les noms de famille de la France. Mais attention, il ne s'occupe pas de la Belgique. Mais Alpa a pu voir qu'effectivement, en fait, il y avait un petit problème, entre guillemets, dans la base de données. J'ai vu qu'il a répondu sur le forum. Hein, de toute façon, il a mis un petit message humoristique sur le forum. Mais donc voilà, c'était bien un souci, un petit bug, en tout cas au niveau du prénom, où en fait le prénom de Jerry était orthographié deux fois dans la base de données d'Atrick, une fois avec une majuscule, une fois avec une minuscule. Voilà, c'est les LA belges qui ont fait cette petite erreur, entre guillemets. On leur en veut pas, parce qu'au contraire, moi je trouve ça sympa, en fait. Comme, c'est le genre de petit bug qui fait plaisir d'avoir un joueur un peu, on va dire, unique, en quelque sorte. Et donc voilà pour la petite enquête hein, sur ce forum. Voilà, c'était un petit message. En tout cas, c'était assez marrant de voir ça et on s'est dit qu'on pouvait en faire un petit sujet. Et de temps en temps, comme ça, s'il y a d'autres messages sur le forum qui nous plaisent ou qui sont intrigants ou qui sont marrants, on verra. On en parlera ici parce que c'est toujours bien de relayer cette information, en tout cas. Ils n'ont pas corrigé les joueurs existants. C'est toujours belge, finalement. C'est vrai que finalement, c'est toujours les Belges qui se font avoir. Alors, en fait, ils vont corriger. De ce que j'ai compris, je crois que Alpa a remonté le problème. Ils vont corriger. Mais ce n'est pas encore le cas de figure, donc voilà, je crois que ce n'est pas encore corrigé aujourd'hui. Donc, à mon avis, les joueurs existants seront corrigés aussi. J'imagine que dans la base de données, ils vont dire que c'est une majuscule et que ça sera une majuscule partout. Donc voilà. Oui, et puis si c'est belge, il ne faut pas être pressé, il hein, ne faut pas oublier. Pardon. C'est vrai qu'après, l'administration en Belgique est très très lente, mais j'imagine comme un peu partout. Hein, oh, bah, en France, on n'est pas mieux. Hein, c'est ça, c'est un peu comme dans Astérix, tu vois. Bref, il y avait un Astérix où il y avait l'administration et il fallait aller dans tous les bureaux différents. Les 12 travaux. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça.
Donc voilà, petit sujet, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit, voilà, au moins un petit sujet sur Hat-Trick, un peu amusant, on va dire. Et le joueur qui s'est, enfin, qui s'est plaint, qui a notifié ça sur le forum, franchement, moi, à sa place, j'aurais été content d'avoir un joueur avec une faute, entre guillemets. Il peut le mettre en vente, c'est collector. C'est vrai, c'est collector, hein, finalement. mais sinon, un autre truc très important sur Hat-Trick. Ah non, nous, on parle pas de choses importantes ici, attention. Hein, Ouais, il n'y a pas plus important que ça. Bah ouais, c'est ça. Ça, c'est l'actualité vraiment principale. D'ailleurs, 21h, on est en prime time, là. C'est vraiment le moment que tout le monde attendait, c'est ça. Et en fait, non, pas du tout. En fait, le moment que tout le monde attend, ça, c'est pour vous préparer pour le moment que tout le monde attend. C'est bien évidemment la chronique de Z qui ne parle pas du tout d'Hat-Trick. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'Hat-Trick, hein, finalement. Mais après, petite parenthèse, on a quand même beaucoup parlé d'Hat-Trick la première période, bien évidemment. Là, on se lâche un petit peu avec vous sur le chat. Et Z, alors moi, j'ai cru entendre que tu avais une nouvelle chronique. C'est pas vraiment une nouvelle chronique, c'est juste que j'avais envie de faire un petit peu en fonction de mes états d'âme. On t'entend Donc, super loin, au cas où. pardon, excusez-moi. Voilà. Ne Comme je vous t'endors dis, c'est pas. pas vraiment une nouvelle rubrique, c'est-à-dire on parle de tout sauf d'Atri quasiment à chaque fois. Et ça va être un peu plus une petite rubrique, une petite tribune que je m'autorise en fonction de mes états d'âme, de ma semaine, de ce qui s'est passé dans le monde ou dans ma vie. Voilà. Donc, parce que j'ai remarqué que bah, vous faire des fois une rubrique toutes les comment Toutes les semaines. toutes les semaines sur un même thème, bah, des fois c'est pas toujours évident, puis des fois j'ai pas le temps. Donc du coup je me suis dit je vais vous proposer quelque chose qui m'amuse différemment, on va dire. Donc voilà. Et cette semaine du coup je vais commencer sur les accidents de travail parce qu'il m'est arrivé une petite blague cette semaine. Tout va bien, rassurez-vous. Du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps à préparer et vu que j'étais justement dans les accidents, je me suis dit, je vais faire une rubrique sur les accidents de travail amusants. Donc rien à voir avec Atrique pour ceux qui nous rejoignent. Sachez que ma rubrique c'est un petit peu le moment non Atrique, on va dire. Non acheté, acheté actu. C'est comme ça qu'on dit. C'est non acheté, sur une rubrique non acheté, ouais, non attrique, Voilà. exactement. Donc, du coup, je vais vous parler de différents accidents du travail que j'ai trouvé assez sympathiques ou assez cocasses. D'accord, je vois le message de Y Nina. en a qui nous dit que cochon est amoureux, c'est pour ça qu'il est moins présent, mais il faut pas le dire, c'est un secret, donc on le dit pas, bien évidemment. Mais merci Nina pour Ok, bon, l'info, ça c'est une actualité importante aussi. Pardon on le Z. salue s'il nous C'est écoute, on ça, le bien salue sûr. s'il nous écoute en différé. Et heureux pour toi, cochon, en espérant que tout aille bien. On va commencer par un truc assez amusant. C'est l'histoire d'une hôtesse de l'air qui travaillait sur une ligne aérienne qui passait au-dessus du pôle Nord. Et elle a réussi à faire passer son cancer. Comme maladie professionnelle, parce qu'en fait, elle a argué que au pôle Nord, la Terre protège beaucoup moins des radiations solaires, et c'est passé, c'est reconnu comme maladie professionnelle. C'est assez léger pour commencer. On va passer sur un autre, sur un accident de télétravail. Donc, il faut savoir Ah. qu'en Allemagne, en 2018, avant le confinement, il y a un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, un Allemand, je n'ai pas son prénom, qui s'est levé, qui a quitté son lit, qui s'est réveillé, qui s'est rendu à son bureau. Sauf qu'il a dû descendre des escaliers en colimaçon et il s'est cassé, enfin il est tombé dans ces escaliers, et il s'est cassé une vertèbre thoracique et une jambe. Du coup, cet employé de Volkswagen a demandé à faire marcher l'assurance du travail, parce qu'il faut savoir que vous êtes assuré quand vous vous rendez au travail ou que vous revenez sur le chemin du travail ou sur le chemin du retour, vous êtes assuré, vous êtes considéré déjà comme au travail, ce sont les assurances du travail qui vous dédommagent. Et il a été justement reconnu comme, enfin maintenant en Allemagne en tout cas, un juge a reconnu le trajet lit-bureau comme trajet du travail, comme déplacement professionnel entre guillemets quoi, en Ok. fait. Donc voilà, je suis en déplacement professionnel, je me rends à mon bureau, je quitte mon lit, voilà. Et ça crée une belle jurisprudence. Et juste pendant Effectivement. que je te coupe, il y a un but du Maroc qui égalise contre l'Autriche et un Ah, but de bravo, bravo. l'Albanie. L'Albanie qui mène 2 à 0 contre le Liban. Ah, moins Voilà, bien je ça. te coupe. Ah, bravo. Non, mais Je te fais c'est bien de me d'une couper paire comme de ça. couilles. Pardon. Une paire de couilles. On va y venir, on va y venir, on va y venir. Paire de couilles, pardon. En Allemagne, toujours en Allemagne. La justice a considéré que un enseignant, après une bataille de boules de neige avec ses élèves, qui était pourtant interdite par l'école, les batailles de boules de neige souvent dans les écoles, c'est interdit, en tout cas en Allemagne, ça a été reconnu comme accident du travail. Donc du coup, c'est l'assurance qui a tout géré, parce qu'il faut savoir quand même qu'il a dû se faire opérer de l'œil et il a été en arrêt maladie pendant un mois.
Je ne sais pas si c'est une boule de neige ou un parpaing, mais en tout cas, c'était une sacrée boule de neige. Sinon. Ah oui, un que j'aime beaucoup. C'est une histoire en 2013. C'est un technicien de sécurité qui est en déplacement professionnel pour son travail dans le centre de la France. Et il doit passer la nuit sur place. Et du coup, le monsieur, il en profite pour rejoindre une madame qui n'est pas sa madame. Et il va passer la nuit avec et ils font ce que les adultes font quand ils se retrouvent et qu'ils ne se sont pas vus depuis un certain temps. Ils jouent aux cartes. Ils jouent aux cartes, exactement. Ouais, jouent aux cartes, ouais, exactement. Et là, en jouant aux cartes avec la madame, en plein acte de cartes, il a fait une crise cardiaque. Okay. Et du coup, la caisse d'assurance maladie française a vu le dossier et elle s'est immiscée dedans. Et d'elle-même, elle a dit on va considérer ça comme accident de travail. l'entreprise, effectivement, c'est toujours pas bien d'avoir des accidents de travail dans son entreprise pour la réputation. Elle réfute ça, sauf que la justice a tranché. En fait, un salarié a le droit à la protection prévue par la Sécu pendant tout le temps de sa mission. Donc, quand tu es en déplacement, même si tu fais des choses, pas liées au travail, mais même aller boire un café ou aller boire une bière après ta journée de travail quand tu es en dehors de ton domicile, c'est considéré comme accident du travail. Donc effectivement, ce monsieur est un des rares qui, lors d'un rapport intime, un rapport intime qui a malheureusement mal tourné, a été considéré comme accident de travail. Et par exemple, si tu chopes le sida en allant aux prostituées pendant une mission... Est-ce une maladie professionnelle? Je ne sais pas. Faudrait demander au juge qui a déclaré que cet homme en 2013 a eu un accident de travail. Et puis sinon un autre, c'est pas vraiment un accident de travail parce que ça n'a pas vraiment été, je pense, reconnu comme accident de travail. Mais c'est plus un petit Darwin Award parce que j'aime beaucoup les Darwin Awards. Dans la police, je pense que c'est aux États-Unis, un jeune homme a voulu prouver à ses petits camarades que les gilets pare-balles étaient résistants. Malheureusement, il a perdu, le gilet est hors d'usage et malheureusement, le policier est hors d'usage. Donc, il a gagné son petit Darwin Award. Voilà, okay. C'était ma petite rubrique. C'était assez light, mais j'ai fait ce que j'ai pu cette semaine. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents de travail humoristiques dans le chat? N'hésitez pas à nous le dire au cas où. Moi, non, en tout cas. Une brûlure avec le café. Voilà, se mettre un coup d'agrafeuse dans le doigt, quelque chose comme ça. Mais ça, clairement, si tu fais ça au bureau, je pense que c'est clairement un accident de travail. Ça, il n'y a même pas à discuter. Oui, c'est considéré comme un accident de travail. Moi, ça m'est jamais arrivé, je vous avoue. Ça vous est arrivé, vous, des accidents un peu bêtes, on va dire, entre guillemets, ou marrants? Moi, je ne travaille pas. Je ne travaille pas comme ça. Ah oui, moi aussi, j'ai glissé sur une plaque de verglas en me rendant au travail. J'avais abîmé un PC portable et mon coude, malheureusement. C'est un accident de travail. Ok. Et puis là, un petit dernier sur le trajet du retour. Je suis adepte des accidents de travail ou des accidents de trajet de travail, moi. Accident Ah ouais, mais bon, c'est pas un accident marrant. C'était quand même un bon accident quand t'as fait le travail. Oui, tout va bien, quoi. Voilà, le trou dans la sécu, c'est lui. Hein. C'est... Mais c'est pas la sécu française, mais effectivement, c'est moi. Mais tout va bien, je vais bien, et c'est pour ça que malheureusement, je suis un petit peu encore fatigué et que j'ai fait une petite rubrique, mais à partir de la semaine prochaine, ça ira mieux. Aucune excuse. Non, tu as le droit. J'étais là, je suis là. C'est ça. Fidèle au poste, toujours. Voilà, fidèle au poste, et je vous ai préparé une petite surprise pour fin de soirée encore. Oh là là, que de surprises. Est-ce que dans le chat, vous êtes là? Oui, c'est vrai que le chat... Vous avez eu un accident de travail, peut-être? Un accident de chat? C'est la reprise. Hein. J'ai détesté cette série. Merci, c'est un compliment, ça. Je sais pas, mais The Scalper Hippopette, effectivement, je le prends très très bien. Ouh, merci beaucoup. Ça veut dire que finalement, c'était pas si mal que ça. Et donc voilà, donc chaque semaine, tu nous feras un peu tes états d'âme, Z, c'est ça? Voilà, ce sont mes états d'âme en fonction de l'actualité. Le but, c'est toujours de garder quelque chose de fun. Attention, je ne vais pas commencer à parler du Qatar, de la guerre et tout. Le but, c'est quand même de vous divertir. Donc, on va parler de choses marrantes, de choses fun, mais ça sera peut-être des vidéos, ça sera peut-être des images, ça sera peut-être de la musique, ça sera peut-être des petits jeux. Okay. Je vais voir. Je me laisse carte blanche et je sais que vous me laissez carte blanche aussi. Mais je me posais une question. Après, en choses fun, on pourra parler du Qatar et de leur performance en Coupe du Monde. Ça va être rigolo. Ça, effectivement, c'est quoi? D'habitude, tu m'avais expliqué que c'est la première équipe où c'est très rare qu'une équipe... Non, c'est rare qu'une équipe organisatrice... je crois même en 20 ans, ça n'est plus arrivé, non, qu'une équipe organisatrice perd son match d'ouverture. C'est ça, c'est la première équipe organisatrice à perdre son premier match. Et c'est aussi la première équipe organisatrice à se faire éliminer aussitôt en Coupe du Monde. Elle est éliminée officiellement avec les résultats. Oui, c'est bon.
Ils sont éliminés. Ok, cool. Déjà, okay. Ok, cool. Ok, cool. Allez, bon débarras. Non. Pas pour les joueurs, pas pour les joueurs, plus pour le contexte. Dans deux jours, ils vont peut-être décréter que la Coupe du Monde est finie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas de gagnant. C'est fini, on arrête, vous faites ça autre part, on veut plus chez nous. Et la FIFA dira oui, tu vois. Ah oui, bah ils ont raison, oui, on arrête. À ce moment-là, ils appelleront la France. Vous n'avez pas quelques salles à nous prêter, des aéroports, et puis on arrive. Après, petite question que je me demandais, donc je vais la poser à vous aussi, bien évidemment, et aussi au chat. Est-ce que vous suivez quand même la Coupe du Monde? Est-ce que ça vous pose un problème éthique? Est-ce que pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez en fait de toute cette polémique de tout? En fait, les gens qui appelaient au boycott et qui disaient qu'ils allaient boycotter, c'est des gens qui n'auraient pas regardé la Coupe du Monde. Dans tous les cas, ils je pense. Ils sont pas amateurs de foot. On l'a vu. Oui, c'est ça. C'est les amateurs de foot, que ça se passe au Qatar ou quoi que ce soit. Tant pis, quoi. C'est... Je pense qu'on regarde tous, on va pas se le cacher. C'est ça. Et ça s'est vu, bah, par exemple, sur les audiences de l'équipe de France contre l'Australie, qui est pourtant pas un match incroyable. Ça a battu les records d'audience enregistrés pour un premier match de Coupe du Monde. Donc, c'est que le boycott n'est pas trop à la mode. Non, mais clairement. Après, c'est compliqué parce qu'effectivement, d'un côté, c'est gênant la situation, mais de l'autre, il y a l'amour du sport qui fait que, bah oui, c'est une fois tous les 4 ans, t'as pas envie de rater cette Coupe du Monde quand même. Donc, c'est compliqué, tu vois, d'un côté. Et puis, franchement, si, enfin, je pense, je sais plus, j'avais entendu quelqu'un dire ça et je trouvais ça tellement juste, mais. Qu'en gros, il fallait se plaindre avant et pas maintenant, une fois que tout est fait, que les stades sont construits, que tout est fait. S'il fallait vraiment manifester, c'était bien avant, c'était il y a 10 ans ou quoi. Mais le truc, c'est que les gens ont manifesté, on a gueulé, et il y a eu des gros levées de boucliers quand le Qatar a été choisi. Il y a même eu une enquête de la justice, etc. Mais ça n'a rien changé, donc bon... On est un peu impuissant dans ces cas-là. Et puis, on ira voir les Jeux Olympiques après dans le désert d'Arabie Saoudite. Alors, c'est les Jeux Olympiques d'Asie. Attention. Parce ah, c'est pas d'hiver, t'es sûr ? Non, attends. C'est des Jeux Olympiques d'hiver asiatiques. Oui, ça, j'ai effectivement... Ah, ok, autant pour moi. Voilà. Ça, j'ai... Mais après, je me dis effectivement, les événements sportifs, moi personnellement, bon, je suis un peu plus critique par rapport à ça, même si je m'y intéresse, je regarde quand même un petit peu. Mais c'est vrai que je me dis qu'on va faire un petit peu les jeux des dictatures, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a eu, par exemple, on avait eu en 2014 Sochi. Oui. On avait eu la Chine aussi. La Chine, c'était quand ? C'est déjà les jeux. À Pékin, c'était. 2006. Oui, voilà. Voilà. 2008, je sais plus. Ouais. 2008. 2008. Ouais. Ah ok, d'accord. Donc maintenant on a la Coupe du Monde au Qatar. Moi j'attends avec impatience les Jeux Olympiques d'été peut-être en Afghanistan ou alors en Corée du Nord. Je trouverais ça vraiment sympa. Oui, puis sympa. Même, bah, attends, même non, on a oublié, mais la Coupe du Monde qu'on a gagnée, qu'on était tous contents, etc. C'était en Russie. Ouais, voilà. Donc je sais pas, moi je trouve que, enfin personnellement, après c'est mon point de vue, après ça doit pas changer la beauté du sport, parce que c'est vrai que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, je regarde comme tout le monde, mais c'est vrai que je trouve que, enfin il faudrait tout doucement quand même se dire que les pays qui ne respectent pas les libertés fondamentales n'ont pas forcément à intervenir dans le sport, parce que si on regarde les Jeux Olympiques, l'histoire des Jeux Olympiques c'était quand même très, enfin c'était quand même quelque chose de très humain, on arrêtait même les guerres pendant les Jeux Olympiques à l'époque des Jeux Olympiques, des jeux antiques. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une double vision sur ça, et je suis parfaitement d'accord sur ce que tu as dit, Zed. Mais de l'autre côté, quand je vois, par exemple, que les athlètes russes sont exclus de la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, je suis pas forcément d'accord. Et pourtant, Dieu sait que je déteste ce que fait la Russie en ce moment. Mais c'est pas les athlètes russes qui sont partis faire la guerre en Ukraine, donc je comprends pas pourquoi les sanctionner eux. Et ça, par exemple, ce qui avait été fait et que j'avais bien aimé, c'était qu'aux Jeux Olympiques, les athlètes russes étaient sous bannière neutre. Mm-hmm. Du coup, ils pouvaient être aux Jeux Olympiques, mais juste ils représentaient pas leur pays. Et je pense qu'il aurait fallu faire ça. Ça, c'est par rapport au dopage, c'est ça. Hein. Mais ça, je suis d'accord avec toi, justement. Enfin, c'est même une idée que je te défends, en fait, dans ce que je dis. C'est que, enfin, les valeurs du sport doivent être des valeurs humaines. Donc du coup, effectivement, on n'a pas à exclure des êtres humains, des sportifs qui partagent une vision, qui sont souvent même, qui s'en foutent un peu de la politique, un peu de tout ce qui se passe et qui ne soutiennent pas forcément. Je suis sûr que la plupart des sportifs russes ne soutiennent pas forcément leur régime, quoi.
comme certains Français ne sont peut-être pas d'accord avec le président Macron. Et du coup, c'est vrai que justement, il faut que, le sport reste apolitique, mais qu'il y ait quand même un minimum justement de respect de l'humain là-dedans, quoi. Et après, passer le message que dire on organise des événements sportifs dans des dictatures, dans des pays qui ne respectent pas les orientations des gens, qui ne respectent pas les femmes. Ouais, je sais pas, il y a une petite dissonance cognitive quand même. Hein. Là, ça, par exemple, sur le fait d'être apolitique, je reprends l'exemple de l'Ukraine. On voit beaucoup de drapeaux ukrainiens, de soutien à l'Ukraine, de etc., etc. Dans ces cas-là, on n'est pas apolitique. On se place. On se place d'un côté qui paraît évident et bien pour 99% des gens, mais n'empêche qu'on se place. Donc, faut placer la limite du apolitique, je pense. Après, juste avant même de parler, tu vois, des droits humains et tout ça, moi, enfin, je me suis toujours posé la question de pourquoi pas mettre cette Coupe du Monde dans un pays de foot, en fait. Enfin, en fait, on prend le foot, on prend le Qatar, c'est quand même bien opposé, tu vois. Enfin, moi, c'est surtout ça qui m'embêtait avant même de parler déjà des droits humains, des problèmes, de tout ce qui est inimaginable là-bas. Mais c'est déjà, le Qatar n'est pas un pays du foot, en fait. Enfin, ils achètent des clubs, ça, voilà, bien sûr, mais c'est pas un pays de foot, en fait, du tout. C'est beaucoup plus ça qui m'a gêné. Quand j'ai appris que c'était le Qatar, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. Il y a le foot, il y a le Qatar. Ils avaient même pas d'équipe nationale à l'époque. Ah ben non, clairement pas. Ils n'avaient pas de stade. C'est surtout sur ça où je me suis dit. Exactement. Alors, en fait, n'importe quel pays, tu vois, même Corée du Sud, Japon, tout ça, c'est des pays où il y a du foot, tu vois, depuis longtemps. Mais le Qatar, enfin, je veux dire, peut-être des pays même qui pourraient sembler un peu moins foot, mais enfin. Il y a tellement de pays qui ont quand même le foot dans le sang, tu vois. Et ils ont pris le Qatar qui, ouais, non. Bah, disons que le Qatar, ils ont des belles montres, quoi. Et c'est tout, tu vois. Enfin, je sais, il n'y a vraiment pas de foot là-dedans, quoi. Mais bon, ça, c'est vraiment. Et puis même pour. C'est surtout qu'il y a eu des grosses affaires de pots de vin. Oui, c'est ça, mais c'est ça que j'ai les montres. Le vote du Qatar. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, les montres. Exactement. Ils étaient quoi? Ils n'étaient pas en concurrence avec. C'était avec qui étaient en concurrence? C'était les États-Unis, mais je crois que ça s'est fait 4 ans. Les États-Unis, ouais. C'est ça, la prochaine Coupe du Monde est aux États-Unis et au Canada et au Mexique. Et en parlant de ça, chose sympa pour la prochaine Coupe du Monde, parce qu'on va se préparer pour les futurs scandales, on va avoir des pays, voilà, on va avoir l'équipe de France qui va jouer un match à Montréal, match à, je sais pas, à San Francisco et un match au Mexique, tout ça en une semaine. Ouais, imaginez déplacer les supporters, les joueurs, etc. Sur des milliers de kilomètres. Alors, ouais, non, mais bien sûr, ça va être aussi. C'est aussi un bordel. On va juste voir. Parce que c'est vrai que le Qatar, au moins, les stades, ils sont proches les uns des autres. Mais bon. Ouais, mais le Qatar, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hôtel. Donc, les supporters sont obligés de dormir dans un pays à côté et de prendre l'avion à chaque match. C'est chaud, quoi. Alors, attends, on va juste voir ce que tu dis dans le chat. Donc, Angleterre-USA, c'est chiant. Donc, déjà, c'est bien qu'on suive pas ce match. Ça, c'est cool. Merci, Scalper. Ouais, mais quand c'est Scalper Lipopette qui dit que c'est chiant. Peut-être qu'il aime bien, en fait. C'est peut-être que le match est sympa, quand même. Hein. Je ne boycotte pas ce débat stérile. Oh, oui, vas-y, Darcy, pardon. Je ne vais pas te couper. Super Squeak, il dit qu'ils ont une bonne équipe en hand. Et déjà, à l'époque, ça avait fait scandale. Parce qu'effectivement, ils ont une très bonne équipe en hand. Mais c'est une équipe qui est composée de quasiment aucun Qatari. J'allais dire aussi. Ils ont exploité, en fait, un vice du règlement qui fait qu'un joueur peut être sélectionné dans une autre équipe s'il n'a pas joué depuis 3 ans, je crois, un truc comme ça, dans son équipe de base. Et du coup, bah, ils ont ramassé tous les bons joueurs pas pris par les équipes nationales et ils se sont fait une super équipe de rêve. Okay. Ils ont terminé deuxième, c'était ça, hein. C'est ça, voilà. Ils avaient terminé deuxième à la Coupe du Monde de Hand. En gros, ça ne boycotte pas, la polémique aurait dû avoir lieu avant, place au jeu, il ne fallait pas les choisir, point... Voilà, c'est ça. Donc, en fait, de manière générale, oui, les gens regardent quand même cette Coupe du Monde et effectivement, ça se voit au niveau des stats. Bon, voilà, gros débat. Après, franchement, malheureusement, voilà, c'est un débat compliqué. Je pense qu'en fait, les vraies personnes qui devraient débattre de ça ou rendre des comptes, entre guillemets, c'est les gens qui ont choisi pourquoi, comment et voilà. Mais nous, c'est vrai qu'à notre niveau, bah, qu'est-ce qu'il faut faire de plus qu'on nous impose ça c'est difficile. C'est ça. Enfin, je veux dire, les gens ont gagné des millions grâce à ça et nous, on n'y peut rien, malheureusement. Même si, d'un autre côté, il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas. Ça, c'est super important, bien évidemment. Je pense qu'on va. Le débat, il est tellement profond et c'est dur de parler de ça en 5 minutes, vous doutez bien. Donc, et c'est bon, voilà. En tout cas, c'est bien quand même d'en parler, effectivement, pas fermer les yeux. Mais je pense qu'on pourrait. Alors, on va s'amuser tous ensemble maintenant. C'est horrible d'annoncer qu'on ferait alors, un quiz, non? Il y a un but de Tanzanie. Ah oui, effectivement. Effectivement, 2-2.
Ouch, ok, la France. Et le Sénégal aussi qui a. Attends, le Sénégal a égalisé, hein, je pense. Oui. Enfin, le Sénégal, en fait, il y a eu 0-1 pour l'Irlande, puis 1-1, donc ça, c'est bien. Ok. Est-ce que ça vous va de jouer dans le chat? Et le Bénin qui ouvre le score face à la Malaisie. Hein, Z, tu nous as préparé une surprise, c'est ça que tu avais dit, hein. Oui, tout à fait. Donc, Zapilu, je te laisserai, enfin, ou Darcel, je vous laisserai faire les points, Ok. me les rapporter ou on les stocke dans nos archives. Donc, du coup, je vous ai fait un petit quiz, en fait, toujours, moi, rien à voir avec Attric. Je veux dire, j'aime bien Attric, voilà. Mais j'aime bien, enfin, voilà, j'aime bien les trucs insolites. Et à la base, en fait, je voulais faire une rubrique sur les films insolites. Sauf que je me suis dit qu'il y avait tellement de choses à faire que j'aurais pu parler pendant des heures et des heures et choisir dans tous les films, c'était assez compliqué. Donc du coup j'ai pris des titres de films, j'en ai 10, si je ne dis pas de bêtises. J'ai 10 titres de films assez insolites. Je vais pas forcément vous en parler, mais ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais vous mettre le nom du titre, enfin le nom du film, avec des petits tirets qui remplacent un mot. Enfin, du moins, je vais laisser un mot blanc, c'est-à-dire que je vais donner le titre d'un film, je vais vous le donner dans le chat et je vais le dire ici, et je vais cacher un mot. Il y a un mot qui va manquer, et ça sera à vous de trouver le mot qui manque, sachant que j'ai mis le nombre de lettres manquantes, donc qui sont représentées par des petits tirets, des petits underscores. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair dans le chat? Donc en gros, ça sera un titre de film à trouver, un titre de film insolite, c'est ça, hein, t'as dit Z. Généralement, c'est insolite, oui, effectivement insolite ou un peu choquant. Voilà, Scalp le dit très bien. On va jouer au pendu, c'est un petit peu ça en fait. Voilà. Et donc voilà, donc tu vas donner un titre de film, tu vas l'écrire dans le chat, il y Sauf que, aura un mot manquant. voilà, faut pas deviner la lettre lettre par lettre. Vous devez dire et celui qui trouve le titre. Il y en a certains qui sont évidents, d'autres un peu moins. Bah, gagne un point et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 titres de films à trouver. Donc par exemple, Le fabuleux destin d'Amélie, tiret, 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 la réponse c'est Poulain. Voilà, Ok, exactement. Tu mais aurais eu sauf un que c'est avec point. des films plus insolites. Ok, comme ça tout le Voilà. monde... J'aurais dit Poutine, moi. Mais j'ai Poutine. Petite fixation, Ah oui, Et Scalper donc, du Popette, coup, attends, toi. attends, on va retirer Scalper et Popette de l'écran, désolé. Désolé. Voilà, c'est fait. Ouf. Allez, même Alpa aussi, bref. Oui, j'ai arrêté de te couper, pardon. Ah oui, d'accord, ok, tu L'écran t'es un était peu pas à planté jour en d'écran. fait, complètement pas quoi. Voilà, Scalper, il peut pas être notre invité. C'est ça. Et donc, du coup, justement, on va commencer avec un peu de vulgarité, donc s'il vous plaît, restez quand même. Enfin, je donne des indices. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer ça. J'espère que ça va pas foutre le bordel sur le chat. Voilà, Scalper Lipopette, je n'attendais pas moins de toi. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, qui est un film de 1975 de Jacques Bernard. Voilà, pour information. Ok, là ça a Donc, commencé d'après direct, lui, hein, je c'est sais. un point pour Scalper et Popette, c'est ça? Voilà, tout à fait, ça a Ok, ça commencé, marche. c'était un point. Voilà. Et alors là, il y a une petite subtilité sur l'orthographe. Les étaient fermés de l'intérieur. Les étaient fermés de l'intérieur. Et le nombre de lettres est bon. Le nombre de lettres est bon, sachez-le. Donc ça peut pas être WC, ça peut pas être magasin au niveau des lettres. Ah, je veux l'orthographe exact. Je veux l'orthographe exact. Comme j'ai dit, il y a une subtilité. Je veux l'orthographe exact. Et alors là, ça va être compliqué. Les Et je pense qu'à mon avis, portes, parce... ça peut pas aller. Les voilà, water. c'est. Non. Et c'est un mot qui existe, Les effectivement. Walter, ça aurait pu marcher vu que t'es fermé de l'intérieur, mais bon. C'est un, deux. C'est cinq Ah, lettres. pardon, Cinq c'est lettres. la même chose. J'ai pensé à la même chose, quoi. Mais bon, bref. Désolé, je reviens sur l'actualité d'Attrick, là, mais C'est bon. cinq lettres et le pire c'est qu'il y en a qui sont vraiment pas loin. Il y en a qui l'ont, enfin il y en a qui l'ont, c'est ça qui est dommage. Mais en cinq lettres et pas en d'autres lettres. Voilà. Les. Je suis désolé Scalp, mais c'est Lapin qui l'a. C'est les WC écrits comme ça, vous pouvez regarder. C'est dans le dictionnaire. C'est un nom Ok. familier pour toilette. Donc on dit WC, voilà. Mais Et donc donc lapin, un point voilà. pour lapin. Lapin, un point. Qui commence bien pour sa première émission. Oui, pour sa première émission, attends. Non, pas du tout, Non, lapin, je on l'a déjà confonds. eu, Non, on non, l'a déjà eu dans le non, je chat. confonds, je confonds. Alors voilà, donc ça, c'était les WC, voilà. Alors c'était un film de 1970, 1976, pardon, je parle belge, ou Bah, ou 76. 76 pour nos amis belges qui nous écoutent Un aussi, hein. film de Patrice Lecomte. Alors Et qu'il y a là. un but de la Côte d'Ivoire 3-2 contre la Oh, Finlande magnifique, et ça un c'est but bien. du Quel match! Maroc 2-1 contre l'Autriche. Bien, c'est Voilà. pas mal. Et la Malaisie, par contre, qui égalise aussi, je sais pas si on l'a déjà dit.
Face au Bénin, un partout. Je sais plus. Il y a eu beaucoup de buts d'un coup là, en fait, j'avoue. Ok. Et alors, du coup, pour continuer une autre question, que les gros salaires lèvent le. Pas si fun. Les deux suivants, en fait, sont pas si fun que ça, je ne me rends compte. Mais pas, après, c'est pas un. Grave, hein. Le doigt, bien vu, Scalp, qui marque son deuxième point. C'est un film de Denis Granier de Fer, des réalisateurs très connus, qui date de 1982. C'est un film français, d'ailleurs. Donc voilà. C'est son vrai nom ou un pseudo au réalisateur? Non, non, Denis Granier de Fer. Granier de Fer, ah oui, c'est vrai que ça fait. Je sais pas. Excellent film, nous dit d'ailleurs Scalpel et Popette. Ah, et tu l'as vu en plus, d'accord, ok, mais je sais plus si c'est bien ou pas bien du coup quand il parle maintenant, vu qu'il dit qu'il aime pas, qu'il aime bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le doute, c'est vrai. C'est que ça doit être nul. Ah d'accord, ok, donc, donc il connaît effectivement Pierre Granier de Fer, mystère, on sait pas, allons le voir, on ira voir après l'émission tous ce film, qu'on ira trouver peut-être sur Netflix, mais ça m'étonnerait. Alors, ensuite, but de la Tanzanie, on nous dit Lapin. Oh non. 3-2. 3-2. Ah non, il y a 3-3. 3-3. Ah non, attends. 3-3. Attends. On en a loupé un de la France ou... Oui, on en a loupé un. Oui, hein. Il y avait 3-2 pour la France et 3-3. Et le Maroc, on l'a dit ou pas? Attends, je bug. Non, non, c'est 3-2 pour la Tanzanie et l'égalisation de la... Attends, je bug. Non, non, 3-3 pour la Tanzanie. Enfin, 3-3 France-Tanzanie. Ouais, mais je veux dire, en fait, la Tanzanie menait 3-2 et la France vient d'égaliser 3-3, c'est ça hein, qui s'est passé. Voilà, et la Côte d'Ivoire a mis un but. Ah non, non. Et la Finlande vient de mettre un but en égalisant face à la Côte d'Ivoire. Il y a trop voilà. De buts là. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche, ça, effectivement. Et le Maroc aussi a mis un but face à l'Autriche. Du coup, il mène 2-1. Voilà. Ok. La vache, il y a un paquet de buts là. Juste pendant le quiz, bien sûr. Alors, on enchaîne, Zed. Alors, Vincent mis apostrophe dans un pré et 120 dans l'autre. Vincent mis apostrophe dans un. Dans l'autre. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un pré qui contient trois lettres avec un apostrophe? Non, du tout. Là. Non, il y a trop de lettres pour Hérisson, même si ça aurait fait plaisir à Galwayan. Donc c'est ok, il y a trois lettres dans le mot principal et okay. Milan, pas bête. Oui voilà, on va pas chipoter sur les accents, mais effectivement donc l'âne, Vincent Milan dans un pré, 120 dans l'autre, un film de 1976 de Pierre Zucca, c'est un comédie drame. Donc Vincent Milan dans un pré, 120 dans l'autre. Ok. Alors là un que je trouve très très sympathique au niveau du titre, même si je ne l'ai jamais vu. La nuit de l'invasion des nains de venus de l'espace. Bon, là, c'est une facile, mais je trouve ce titre magnifique. Compte le nombre de lettres. Voilà, bien vu. J'avais du mal, là, Scalp. Mais voilà. C'est vrai que là, les fautes d'orthographe ne peuvent pas être pardonnées. Ah, mais c'est ça. Là, effectivement, c'est comme je dis, les fautes d'accent, parce qu'effectivement, les accents, ça, on va pas chipoter. Mais il faut au moins qu'il y ait le même nombre de lettres, quoi. Donc voilà, vu que je mets le nombre de lettres. Donc la nuit de l'invasion des nains de jardin, venus de l'espace. C'est un film de 1997. C'est un court-métrage qui fait 9 minutes de Dylan Pello. Donc alors... ça, je pense qu'il y a moyen de le regarder rapidement. Donc là, nous sommes à mi-parcours, il y a eu 5 questions, on est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, tout à fait. Et donc, à mi-parcours, là... le résultat... Ah ok, la mise en forme est dégueulasse, mais bon. Je vais refaire, vas-y Z, pardon, tu peux expliquer. Ok, toi aussi tu m'as détiré, il faut deviner ce qu'il y a dessus, c'est ça? Attends, non, en fait. Il faut deviner les points des joueurs. Ça donne rien, attends, c'est quoi ça? Non, ça donne. Ok, vous avez compris les points, c'est parfait. On comprend. Ouais, contente-toi de les dire. Comment tu peux faire bien ça? Comme ça? Il prend pas les inters, il prend pas les retours à la ligne en fait. Quand tu, et quand comment tu fais les classements pour le mettre bien? C'est pas possible? Bah, non. Mais okay. Par contre, tu vas nous le garder pour nous le mettre dans le Discord. Oui, pas de soucis. Donc, Scalper et Popette, 3 points, Lapin, 2 points. Voilà, alors là, il y a un piège, chers amis français. Je n'arrive déjà plus à copier, bien sûr, ça c'est bien. Voilà. Liberté, égalité, ce n'est pas fraternité. Je le lis tout de suite. Oh non, me dis pas que tu connais ce film. T'as pas été voir sur Internet quand même, Scalp. Non, pas aussi rapidement, parce qu'il le connaît, à mon avis, il le connaît. Je sais pas, mais ouais, non, c'est ça. Enfin, liberté, égalité, choucroute. Il l'a sorti rapidement, hein. Donc. Non, qu'il connaît. Je pense qu'il connaît, hein, la vitesse à laquelle. Après, c'est, je pense que j'irai voir parce que c'est un film d'un personnage que j'aime beaucoup. C'est Jean-Yann. C'est un film de Jean-Yann, une comédie de Jean-Yann qui est sortie en 1985.
Donc oui, là, comme dit Lapin, respect, effectivement, c'est sorti, mais vraiment dans la seconde. Liberté, égalité, choucroute. Ok, 4 points pour Scalpel et Popette. Alors, ben, je ne vais pas en dire plus, sinon je vais donner des indices. 4, au garde à vous. Quatre choucroute, non, ce n'est pas 4 choucroute au garde à vous, Darcel. Bien essayé le pré-shot. Au garde à vous. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu olé olé, mais. Voilà, c'était. Bravo zizi, Nina. Ok. C'était 4 zizi au garde à vous. Et ce ah, n'est tu pas l'as un vu, film. Nina? Dis donc. Mais, non, c'est sûr, c'est un film. Ce n'est pas un film, contrairement à ce qu'on peut croire, de ce que j'ai cru comprendre, qui est un film érotique. C'est un film de Mario Girolami. Voilà. Ok. Alors, un peu plus simple, hein, pour de nouveau des points gratuits. On va se faire sonner les. Bah, des points gratuits, ça dépend qui le trouve. Ah oui, bon voilà, mais bon, c'est une expression assez. On va se faire sonner les. Ok, je pense que ouais. Les cloches, bravo petit bac. C'est un film américain d'ailleurs, c'est la version française, je suppose, de George Seaton. C'est un film de 1950. Alors, attends, 4-6. Donc, il reste deux questions et. Tout à fait. Ok. Et donc là, on va, après avoir parlé Zizi, on va être un peu plus religieux. La Bible ne fait pas le. J'aimais bien le jeu de mots. Le moine, bravo ouais, ça, Nina. Ouais. Ok. Donc un film de Marty Feldman, sorti en 1980. Et là, c'est un titre de film un peu plus olé olé. Voilà, c'est le seul que j'ai autorisé, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. Tout le monde, il est sexy, tout le monde, il est. Tout le monde est sexy, tout le monde il est. Bah beau, c'est pas olé olé. Non, tout le monde il est ah, oui, tapis d'une. Ah bah c'est sûr, il y a le nombre de lettres, c'est ça. Là, non, ouais, ça ouais, va pas non plus. Ça. Ça marche. C'est un film de 1968, tu n'étais pas encore né, tapis d'une. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde il est sexy, tout le monde il est. Voilà, bravo Nina, tout le monde il est sexy, tout le monde il est cochon. Oh, et Yo, c'était tu l'as un eu juste petit. après, quoi. Mais c'est Nina Ah qui oui. C'était une petite dédicace à notre cochon national. Ouais, mais cochon, voilà, pour l'instant, si on a bien compris, cochon est amoureux, donc on ne l'a plus ici. Un germano-italien de Sergio Bergonzelli de 1968. Voilà. Là, c'est tout pour vu. moi. Eh bien, ça donne quoi au niveau des points? Alors, attention, suspense. En quatrième position, et qui n'a pas démérité parce qu'il est rentré dans le classement avec un point. D'autres ne l'ont pas fait, donc déjà, c'est déjà très bien. Avec un point, c'est petit bac. Bravo, clap clap. Vous pouvez faire clap clap dans le chat. Hein. Comment on applaudit dans le chat, c'est impossible. Quoi. Ouais, clap clap. Quoi. En troisième position, là c'est sur le podium, attention. Il aura une médaille d'argent, ce qui n'est pas souvent avec l'équipe de France. C'est quand même Lapin, avec 2 points. Et on souhaite une médaille aussi avec la vraie équipe de France, bien évidemment. Lapin, 35 avec 2 points. Et alors, suspense, qui a gagné entre Nina, Scalper et Popette? Il y en a un qui a 4 points, l'autre qui a 3 points. Et c'est Scalper et Popette qui a 4 points, Nina 3 points. Bravo Scalper et Popette qui gagne 20 crédits en plus. Parce que c'est vrai qu'il y avait 20 crédits à gagner en fait. Oui, c'était la spécificité de ce quiz. Est-ce que, donc Scalper et Popette, tu as le choix en fait, tu fais comme tu veux. Soit tu prends les 20, soit t'en prends 10, t'en donnes 10. Soit tu les remets, soit tu donnes tout, tu fais ce que tu veux, tu nous dis. Mais idéalement, prenez-les ou passe-les à quelqu'un, comme ça on est libéré de ces crédits. Donc bien joué Scalper et Popette en tout cas. Fort ce rapace. Alors les 20 crédits, je les remets pour l'émission du. Oh, ça c'est gentil par contre, c'est vrai qu'il y a l'émission de Noël. Ouais, c'est un très beau cadeau de Noël ça. C'est un beau cadeau et on pourra faire même un paquet de 20 ou 30, peut-être même 30 crédits d'un coup. Enfin, on verra, mais c'est gentil en tout cas, Scalper et Popette. Si t'en as vraiment, si t'as besoin des crédits, que t'en as envie, n'hésite pas, il n'y a vraiment aucun souci, mais en tout cas, c'est très gentil si tu les donnes, donc c'est cool en tout cas. Ça fera plus de cadeaux encore à donner, donc c'est très gentil. On peut applaudir Scalper et Popette qui a gagné. Et Nina, Lapin, Petit Bac aussi, bien évidemment, qui sont rentrés dans les points et c'est déjà pas mal. Et Z aussi, c'était un super quiz en fait. Sympa, ça change complètement. Là, c'est un quiz vraiment rien à voir avec Attrick, mais c'est cool. Bah oui, moi je me suis dit, tiens. Vous remarquerez quand même que Z n'a rien à voir avec Attrick à chaque fois, c'est ça qui est drôle. Je m'intéresse à Attrick, je regarde d'ailleurs, on va regarder les matchs, est-ce qu'il y a eu des buts entre temps? Ah oui, la Malaisie qui a mis un but face au Bénin. Bravo, Sclap. Sclap, ouais, c'est ça, sclap, 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 quoi, pour... Donc oui, il y a eu des buts, donc Z, ça donne quoi au niveau des résultats? Ou tu veux que je fasse, peut-être tu me dis. Hein. C'est toujours pas fini, mais je regardais, là-bas, du moins de ceux qu'on n'a pas encore cités, la Malaisie qui vient de mettre un but face au Bénin, malheureusement. Donc du coup, qui prend le lead? 1 point pour le Bénin, 2 points pour la Malaisie.
Effectivement, un point, un but, oui, c'est ça, 1-2, ouais, tout à fait. Un but, oui, ouais, j'étais toujours dans le quiz avec les points. Ouais, j'étais perdu aussi avec les points, je t'avoue. J'ai adoré ce quiz, nous dit Scalpel et Popette, donc il a détesté, on a bien compris. Non, là, c'est sûr qu'il allait adorer, bien sûr. qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui allait pas dans le quiz? Tu as gagné, ça ne va pas. donc oui, Malaisie 2-1 face au Bénin. Alors malheureusement, le Liban qui perd 2-0. Ça, c'est un peu dommage. Le Maroc contre l'Autriche 2-2. Côte d'Ivoire-Finlande 3-3. Sénégal-Irlande 1-1. Tanzanie-France 3-3. Alors, il n'y a que des matchs nuls, à part le Bénin qui perd et le Liban qui perd. Et la France U21 qui perd contre Haïti. Quelle incroyable mise en place tactique d'Haïti, quand même. Je sais pas qui a fait cette compo, mais bravo. Est-ce que c'est un match qui est joué sérieusement? C'est pour donner de l'XP? J'avoue que j'ai pas du tout suivi ce match amical. Peut-être que Lapin, s'il a des... Non, c'est... des infos. Hein. C'est le premier match avant la Coupe Continentale, et d'un côté comme de l'autre, on donne de l'XP à des joueurs de 20 ans. Enfin, ça n'a rien de pertinent. Ah oui, mais t'es dans le staff d'Haïti, c'est ça en fait? C'est pour ça. Oui, c'est j'ai oublié, ça, pardon. J'arrivais pas à comprendre. Je me disais, bon, il a l'air de parler sérieusement du match, je me dis, il va y avoir un truc. Non, non, oui, ok, d'accord, ok, ça s'explique. Bah bien joué, mais bon, ça reste un match amical, bien évidemment. Et la Côte d'Ivoire qui vient de mettre un but 4-3 face à la Côte d'Ivoire, ça, sur le gong. Ça, c'est ouais, c'est franchement, c'est cool, ça en tout cas. Mais surtout que ce serait un très très bon résultat pour eux. Donc, alors attends, il y a encore des. C'est serait non. Lapin qui nous dit remontée de routine aujourd'hui, c'est vrai, classique, faut remonter les routines, donc ça, bien vu. Et Nina qui dit Monténégro. En U21 Bah oui, c'est ça, Lapin, c'est ça. Ouais, non, mais c'est bizarre parce qu'en fait, il y a une nouveauté depuis quelques saisons maintenant, c'est qu'il n'y a plus besoin de remonter les routines en amical parce que vous sélectionnez 6 routines et elles sont mises automatiquement à un haut niveau d'organisation au début de la Coupe Continentale. Ouais, mais si t'en veux 7 ou 8, tu vois, par exemple. Oui, effectivement. Peut-être dans ce cas de figure, ça. Ouais. J'essaye d'imaginer, tu vois, pourquoi est-ce que ça serait le cas. Parce que j'imagine que si... Non, on peut avoir 7 routines. Ah, voilà. Ok, okay. Donc j'imagine que c'était pour ça. Nina qui nous dit Monténégro, Corée du Sud, 4-1 en Coupe des Nations. On vise le podium. Alors, c'est vrai qu'on peut jeter un petit coup d'œil aussi à la Coupe des Nations. C'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé. Il y a toujours cette coupe qui se joue. Donc, dans les équipes nationales et Coupe des Nations... attendez, je vais peut-être vous partager ça quand je pourrais... Ah, je suis pas sur le bon écran, alors attendez, 2 petites secondes, on va laisser les scores, c'est le bordel, complet. Donc, équipe nationale, Coupe des Nations, et on va partager ça dans matchs internationaux, tac, 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 voilà. Et donc, ça donne quoi pour le Monténégro? Donc là, on a le Japon en Coupe des Nations pour l'instant, donc il y a eu 5 matchs de jouer, c'est le 6e match aujourd'hui. Japon, 5e, ouais, le Monténégro est 5e. C'est Nina qui est sélectionneur du Monténégro. Ah oui, c'est ça, oui, c'est bien Nina, sélectionneur. Ok. Et donc le Monténégro, 5e, et il vise le podium. Incroyable. Nina, spécialiste en tout cas de la Coupe des Nations. C'est vrai qu'elle est souvent en Coupe des Nations. C'est assez sympa. On n'est pas obligé de faire le reset, effectivement, oui, la classe Nina. Ouais, c'est vrai qu'on suivra ça quand même d'un œil. C'est vrai que, bah, désolé Nina et les autres personnes aussi qui sont dans la Coupe des Nations, c'est vrai qu'on suit toujours moins la Coupe des Nations dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de matchs à suivre entre les Coupes du Monde A, U21, les Coupes d'Europe, etc. Donc c'est dur de tout suivre. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on pense à suivre la Coupe des Nations quand on arrive vers la fin, en tout cas, quand il y a un peu d'enjeu, etc. Donc voilà, ça peut être bien en tout cas. Bon, et quand vous l'invitez Nina? Ah, ça, c'est quand elle veut, hein. D'ailleurs, si quelqu'un nous écoute et veut aussi passer dans l'émission, et sélectionneur, qu'on ne l'a pas invité, je dis à chaque fois, mais c'est vrai, il faut pas mal le prendre. Nous, on veut vraiment que tout le monde participe à l'émission. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Vraiment, il n'y a aucun souci. Ce serait même avec plaisir, en fait, d'ailleurs. Dès la semaine prochaine, on espère réavoir des invités. On a relancé des invitations. Nina aussi, bien évidemment. Je crois qu'on n'a pas relancé Nina, mais on a déjà... envoyer des invitations et tout, donc n'hésitez pas. Après, faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui sont pas disponibles, simplement. C'est difficile d'organiser, d'être présent le vendredi, etc. Donc voilà. Mais bien évidemment, tout le monde est le bienvenu. À noter quand même le très bon coup des Ivoiriens. Ouais. Alors, le classement ne s'est pas encore mis à jour, donc j'ai peur de dire des bêtises, mais ils devraient faire une belle remontée au classement grâce à cette victoire face à la Finlande, qui, on le rappelle, était première de leur groupe, alors que la Côte d'Ivoire était dernière. Je vais attendre la mise à jour du classement, mais dans tous les cas, c'est un très bon résultat qui les relance totalement pour les trois derniers matchs.
Effectivement. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'était serré au niveau du classement hein, avant le match. Peut-être qu'on peut jeter un coup d'œil. Mais je crois pas que les classements seront Ça mis à jour. permettra d'attendre que le match de la France soit terminé pour la prédiction. Effectivement. Coupe du Monde, le problème c'est que. Ah, je crois que les classements sont maintenant mis en temps réel à jour. Donc ça donne quoi au niveau. Donc attendez, on va regarder. Donc la France pour Bah, l'instant serait pour la Côte troisième. d'Ivoire, c'est pas le cas parce que, ils ont toujours zéro victoire sur le classement, alors que là, ils viennent de battre la Finlande. Oui, c'est ça, effectivement. Ouais, donc c'est pas à jour en fait, il faudra qu'on voit ça un peu plus tard. Petit Bac qui nous dit cette victoire était impérative pour rester en vie. Effectivement, c'est ce que Darcel avait dit justement au début du match en disant il fallait prendre des points ce soir. Donc quel suspense dans ce match par contre, c'est faux. Mais c'est bien, tant mieux, et finalement c'est un bon scénario pour la Côte d'Ivoire. Ah, ça a été mis à jour. Ah non, ok. La page s'est rafraîchie, maintenant il n'y a plus les classements, mais à mon avis, ça va pas tarder. On va voir les classements, à mon avis. On va rafraîchir quand même pour voir. Ok, à mon avis, là c'est à jour. Non, pas du tout. Ok, c'est pas à jour, mais on verra. On verra ce que ça donne. Et donc voilà, en tout cas. Est-ce que tous les matchs sont terminés ou pas? J'ai un petit doute. La France, c'est Ouais. pas terminé Oui, encore. Si, c'est si, si, terminé. ils sont tous finis là. Donc match nul de la France, match nul du Sénégal, belle victoire de la Côte d'Ivoire, match nul du Maroc, Liban et Bénin, malheureusement qui ont Essayez, perdu. le classement est mis à jour. La Côte d'Ivoire monte cinquième et ils ne sont plus qu'à un point de la quatrième place qualificative. Ok. Et c'est très très serré, hein. Il y a Ouais. seulement 3 points entre le premier et le dernier. Hein. Donc, C'est un groupe plaisant, hein, ça franchement, franchement, ça va être sympa à suivre. Et alors on a la France qui est troisième. Bon, la France, ça va, elle a toujours 6 points d'avance à 3 matchs de la fin, donc normalement, ça devrait aller. Le Sénégal, qui est du mauvais côté de la barrière, mais qui a qu'un seul point d'Irlande, hein, donc tout est possible. La Côte d'Ivoire, comme tu l'as dit, c'est très 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 serré. Là, il suffit d'une victoire et il y a moyen de remonter tout. Et alors, dans les matchs qu'on a suivis, on va descendre un petit peu. Le Maroc, premier. Tout va bien pour le Maroc. Et facile. facile pour l'instant. D'ailleurs, qualifié, non? Ah non, non, il n'y a que 7 points. Il en faudrait 9 pour être qualifié. Mais bon, voilà. Quand même en bonne posture pour se qualifier. Et Bon, ils sont pas loin. c'est ça. Et le Liban, malgré sa défaite, aussi en bonne posture. Un deuxième, 12 points. À 5 points aussi de la qualification. Donc normalement, ça devrait aller en tout cas. Donc voilà, au niveau des résultats, bah finalement ça va. Au niveau des groupes et des francophones, il y a juste ouais, donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Faudra faire attention. Ah oui, le Bénin, par contre, c'est vrai dans le groupe de la France. Autant pour moi, c'est vrai qu'il y a le Bénin. Ouais, le Bénin qui est en mauvaise posture, mais ça peut jouer aussi avec la Malaisie, qui est juste devant d'un point, donc ça peut aussi être faisable. Cette victoire était impérative. Z a tiré un pénalty, j'ai même pas vu. Tu as marqué Z? Et non, je l'ai raté malheureusement. Personne ne pensait que cela arriverait. Et oui, donc la prédiction, personne n'avait mis match nul. Et donc, ça veut dire que les 2200 points sont perdus, vont aller dans la Bah, poche de Z. faut dire qu'on n'a pas eu grand. Non, je pense que Darcel et Petit Bac ont récupéré leurs points en fait. Ah, pas beaucoup de personnes ont voté. Mais c'est ça, il y a eu deux votants en fait. Voilà. J'ai rien récupéré moi. Ah, ok, donc c'est perdu. J'ai Voilà, bon. perdu, voilà, désolé. Scalp et Popette qui nous dit une petite pensée pour Vidéwenu, on l'aime. C'est vrai qu'il n'est plus sélectionneur, ça part en cacahuète, on en a dit au Bénin. Donc, oui, petite pensée s'il nous écoute, bien évidemment. Bah voilà, c'était une chouette émission en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Ça nous a fait plaisir de vous voir dans le chat. Hein. C'est une émission de reprise, hein, donc on reprend doucement mais sûrement. Mais en tout cas, vous étiez présents. Ça fait plaisir. On a pu communiquer avec vous. C'était chouette. Darcel Z, on a passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Effectivement. Bah oui, vivement la semaine prochaine. Et donc, ouais, la semaine prochaine, on revient, même heure. Et la semaine prochaine, il y a la Coupe du Monde U21 qui démarre d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Oui. Non, la Coupe d'Europe, Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, pardon. Oui, je commence à être perdu. Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Oui, non, pardon. La Coupe d'Europe. Oui, c'est ça. La Coupe d'Europe qui démarre. Donc, nouvelle compétition avec le nouveau staff. Bref, on va voir ce que ça donne en tout cas. Curieux de voir ce que ça va donner. Et on va suivre ça de toute façon aussi avec attention. Il y aura beaucoup de matchs intéressants à suivre la semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir de toute façon. Il y a eu des petits nouveaux dans le chat. Donc, ça nous fait plaisir aussi en début d'émission. Donc, s'ils nous écoutent encore, bah. Revenez avec nous et puis on espère que les anciens reviendront. On espère que Cochon restera amoureux mais aura le temps de venir pour nous un peu.
et les autres aussi, bien évidemment. Voilà, je pense que c'est l'occasion de vous passer, de vous souhaiter une bonne soirée. Je sais pas si Darcel les aide, vous avez aussi un petit message à passer si vous vendez. Non, pas bonne soirée. Non, oui. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Ça marche. À plus. Ouais, bonne soirée à tous. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.